Docteur Darling, vous m'avez fait demander. Oui, Hogan. J'ai besoin de vous parler. C'est important. Dites-moi ce qui se passe. J'ai du boulot en ce moment. Et il faut toujours battre le communiste pendant qu'il est chaud. Hogan, vous êtes clairement trop faible pour les missions qui vous sont affectées. Trop faible? Vous êtes trop humain. Mais je viens de trouver quelque chose qui pourra très certainement vous aider. Comme quoi, par exemple? Ne vous inquiétez pas. Ça va juste piquer un peu au début. Ce pouvoir... Cybercommando de type 5, dénomination Black Hogan. Statut opérationnel. Force 200%. Vitesse 200%. Efficacité 350%. Pitié 0%. Et voilà ce qui a changé depuis la dernière fois. Hogan est devenu un putain de cybercommando de type 5. J'ai rien à voir là-dedans, j'ai juste lancé le jeu et bim, il était là, il était déjà en train de vider des camps et tout. Non, je me suis cassé les couilles pour choper toute la putain d'armure. ça a été des heures et des heures de me casser les couilles. Et c'est dans ça dont je parlais la dernière fois. C'est que il fallait donc vider un camp. Pour débloquer les pièces d'armure là, les 3 pièces d'armure, les 4 pièces d'armure même. Et j'ai dû les vider au niveau 1, 2 et 3. Vous savez, les ennemis sont niveau 1, 2 et 3. Et du coup, il fallait le vider dans les 3 modes de difficulté. Et au niveau 3, mon gars, j'en ai chié, mais à un niveau subliminal. C'était un truc de malade. Et quand j'entends, tu vois, Funeral qui fait un peu, tu vois, son beau gosse et qui fait, ouais, ça me bouge pas trop de mal. Moi, c'était pas de problème. Moi, c'était trop cool. Franchement, pas de soucis, quoi. ça m'a trop trigger hier soir, mec. J'ai rien dit sur le moment parce que je suis quelqu'un de pacifiste, tu vois. Mais laisse tomber. J'en ai chié des ronds de chapeau, quoi. Je sais pas si cette expression existe encore, mais j'aimerais que oui. Donc, Far Cry New Dawn, maintenant, on a un personnage qui vaut le coup. Donc, j'ai débloqué les armes niveau 3. J'ai beaucoup d'éthanol, j'ai plein de points de talent d'ailleurs qu'il faudrait que je distribue, mais comme on a quasiment tout, est-ce qu'on s'en branle pas un petit peu la bite? Ouh, je crois que le son du jeu est pas très fort, remarque, non? Le camp 3, quand t'as pas la compétence pour éliminer les mecs niveau 3, j'avoue, ça peut être tendax. Bah, c'est ça, mais dans le camp niveau 3, il y avait les ennemis niveau 3 et il y avait les ennemis élites, et il y avait deux ennemis élites. Et les ennemis élites, mon gars, j'en ai... Oh là là! Ouh là là, parce que tu vois, voilà, je peux niquer les mecs niveau 3, ça ils ont pas trop été de soucis, mais les mecs niveau élite... Ouh mama. Donc, au niveau de la base, où est-ce qu'on en était? Voilà, j'avais augmenté juste 2-3 trucs, mais sinon pas tellement, l'infirmerie non, j'avais touché à ça, le camp d'entraînement, et ça l'établi. Sinon le reste, je crois que j'ai pas touché, l'expédition, on l'avait déjà touché, je crois, pendant le stream. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait depuis la dernière fois, c'est pas énorme, mais je voulais pas trop avancer sans vous non plus, parce que je me suis dit, ça se trouve, ça va déclencher des scripts ou un truc comme ça, et ça va être la merde. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre là comme talent? On va commencer par ça déjà. Qu'est-ce qu'on a comme talent? Boxeur professionnel, ça peut être pas mal ça, non? Augmente les dégâts de coups de poing et coups de pied, vu qu'on fait que ça. Allez, go. Les élites, j'y vais à la roquette, ils ont pas envie de négocier, alors moi non plus. Le vrai américain. Oui, j'y suis allé au C4 aussi, ouais. J'ai balancé tout le C4 que j'avais. Et ça a été, mais mec, je me suis repris à 2-3 fois quand même. Les premières fois, il a fallu que j'y aille avec des animaux, que je balance de la viande et tout. Il y avait des carajoux qui commençaient à les grignoter, c'était n'importe quoi. Hein. Fan de la nature, c'est pas c'est pas mal ça. Tiens, je vais prendre ça aussi. Fan de la nature. Dans un véhicule, celui-ci sera lentement réparé. Non, je vais prendre ça aussi. Ça, c'est mieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Yes. Donc, voilà. Et on a toujours mamie. Ça va, Nana? J'ai vu passer toutes les contre-cultures. Des hippies jusqu'aux hackers. Les ravageurs. C'est rien de plus que des nihilistes avec des casques. C'est juste une bonne excuse pour pas ranger sa chambre, ni planter des graines parce que tu crois pas à l'humanité. Je crois qu'en fait, cette vieille, c'est Poons. Je crois que c'est Poons en 2034.
Donc, bref, on va pas faire d'expédition pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a à faire déjà là? Qu'est-ce qu'on a à faire? Journal. Progresser vers le nord pour retrouver Joseph, encore une fois. On a aussi des trucs, des expéditions à faire. On a les missions annexes, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est des trucs à récupérer. Du coup, c'est bidon. Je vais pas m'orienter sur ce terrain. Non, mais si, me laissez pas tout seul, c'est la merde après. Il, tiens, on a un autre point de passage. Tu sais quoi, pour s'échauffer un petit peu, on va faire un avant-poste. Allez hop, il est à 4 km. On va pouvoir prendre un hélico. Il est où? Ok. D'ailleurs, on m'avait dit en privé que la map, en fait, c'était pas la map entière de Far Cry 5. Et en fait, c'est vrai que. Je sais pas pourquoi, moi, je pensais que c'était toute la map. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste un tout petit bout. Et c'était. Je sais même pas quel bout c'est là. C'est en bas, non? C'est au sud? Oui, c'est ça, c'est au sud en fait. C'est que la moitié basse de Far Cry 5. C'est pas ouf, hein. Après Old Logan, découvrez Old Poons. Encore un petit bout du lore. Et du coup, maintenant, on peut, je dis, tac, voilà. On peut fast travel. Et ça, mon gars, mamma mia, t'as la fast spaghetti. Ok, c'est cool. Bon, j'ai toujours mal au poignet, donc je vais essayer de tirer aussi bien que je peux. La sushi, c'est... Bref, hop, allez, 600 mètres, c'est parti. Ils ont renié la carte, les FDP. Ouais, il y a vraiment pas beaucoup de place. Donc oui, j'ai des armes un peu... Ça m'énerve quand les gens parlent. Du coup, j'ai quelques armes. J'ai l'arme d'ailleurs de Blood Dragon, le AJM que j'ai chopé. J'ai ça, qui est, j'ai l'impression, un des meilleurs fusils du monde, de l'histoire. Le putain de manque disque et un putain d'arc. Du coup, on est plutôt bien niveau armes. Alors attends, je crois que c'est une île là-bas. Le problème, c'est qu'on peut pas y aller sans bateau, sinon on se fait bouffer par des mechas. Comme on dit, non pas des dindons, des piranhas. Pourquoi des dindons? Des mechas piranhas, regarde, en fait l'île elle est un peu loin. Et on se... Ouh la vache. Putain, les trois petits cochons, mon gars. Putain, ils sont niveau 2 en plus. Bip. Ah, ça fait pas mal quand même, pas mal. Les poissons démons, ah, ils sont extrêmement vénères. Y'a pas un bateau là? Ah, c'est un truc où y'a un bateau, ça, non? C'est une batterie. Batterie. Putain, y'a même pas un petit... Ah si, y'a un bateau. Ok, go, c'est bon. C'est bon. Allez, mamie. Monte, j'ai pas le temps de t'expliquer. Mamie. Putain, elle se galère dans les fourrés. Allez, mamie. Qu'est-ce qu'elle fait? Mamie, mais... J'ai pas confiance. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas. Putain, la vache, c'est radioactif en plus. Attends, c'est la merde. Ok, let's go, c'est parti. Normalement, regarde là avec ses vieux... avec ses vieux sapins qui volent là. Non, si, c'est Poon, c'est carrément Poon. Ok, let's go. On t'entend pas, mamie. Ça n'a aucun sens ce que tu dis, déjà, d'une. Et en plus, on t'entend pas, donc... Et mamie, du coup, elle est niveau 3 aussi, comme notre camp d'entraînement. Du coup, elle est plus ou moins immortelle. Y'a aucun problème. Allez, let's go. On y va à la bourrine, hein, parce que là, on a plus le temps. Tu sais quoi? Ouais, non, si. Bon, y'a qui, là? Qu'est-ce qu'il y a? T'as lui, déjà, il m'énerve. Voilà, nique ta gueule, nique ta race, non, nique ta gueule aussi d'ailleurs. Ok, donc c'est littéralement, en fait oui, c'est littéralement un camp de, comment ça s'appelle, de Waterworld. Qu'est-ce qu'il fait? On a de la mauvaise graine, hein, c'est ceux qui me crament dans les files d'attente. Ok, donc ça c'est un enculé. Là-bas il y en a aussi. Bon, ça a pas l'air très compliqué ce qu'on a là. Il y en a d'autres ici ou quoi? Est-ce qu'il y en a d'autres, des mecs en bas là? Là, il y a un mec juste là, ok. Oulala, attends, chut. Mamie. En tant que commando de type 4, de type 5, il faut que je m'en occupe tout seul. C'était quoi? Rien du tout, c'est beaucoup trop long comme animation. Merde. Le con. Ok, c'est bon. Chut. Elle a survécu à l'âge, alors quelques balles, c'est pas ça qui va la tuer. Oui, c'est ça en fait, les niveaux que je lui ai rajoutés, c'est les niveaux de vie en fait. Genre là, elle a 800 ans comparativement. Ça, mamie? Mec, elle est à couvert et tout, c'est super stylé. Attends, mamie, est-ce que tu peux me niquer ça, s'il te plaît? Mamie, t'es un peu lente. Qu'est-ce que tu fais? Mamie, tu vas où? Mamie? Est-ce que tu peux tirer dans cette décennie, quand même, ou tu vas où? Je lui laisse ma place au cimetière. J'ai pas trop... Je vais l'envoyer
Calme-toi. Calme-toi, mamie Black Metal, quand même. Je lui laisse ma place au cimetière. C'est la mamie de la crypte. C'est les contes de la crypte, c'est la vieille. Pourquoi elle a attaché des petits sapins qui sentent bon à son poncho? Bah, pour sentir bon. Tu fais comment, toi? Malin. Tu sais quoi, on va faire un double kill, regarde. Faut juste un peu de précision, mais t'inquiète pas. Je suis rien si je suis pas précis. Allez, mamie. Tire un jour, quand même, mamie. Mamie? Pas devant, mamie. Et là, c'est bien. Mais il avait un casque, mais qu'est-ce que t'as comme arme, mamie? Il avait un casque, vas-y, nique-le en mouvement, là. Bon. Bah voilà. Bon, bah, mamie Calibre 50 a vidé tout un camp toute seule. Dès que tu level up mamie au niveau des ennemis, elle est one shot. Ah! Te laisse pas berner par le nouvel Eden, capitaine. D'où tu m'appelles pas capitaine, tu m'appelles monsieur capitaine d'une. Monsieur capitaine commando type 5. Ok. Bon, qu'est-ce que t'as, toi? Les ravageurs ont installé une sorte de club de combat en cage qui leur permet de recruter du coin. Pour participer, il faut parler à un petit gars appelé Irwin. Tu te débrouilles bien avec tes points. Tu pourrais peut-être te salir les mains pour les... Ok, un club de combat en cage. Ok, on m'en avait parlé. Ouais, pas de problème. Attends, j'ai foutu des cendres sur mon clavier. Alors, club de combat en cage, dis donc. On m'en avait parlé, c'est pas trop une surprise, on m'en avait parlé, mais j'ai pas vu encore des images. Allez, mamie, monte. J'espère que le mode streamer est activé. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des chansons interdites, c'est ça? Il y a des chansons, non. Il y a des chansons. Twitch, il vient, il fait non. Non, tu profiteras pas, non. Tu mets pas des chansons connues, non. Ils ont mis du Céline Dion, c'est... What the fuck? Pourquoi... Il est super gros, ce cerf! Et pourquoi il a un petit cancer? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il a un truc accroché en plus. Attends, mamie, bouge pas. Reste là, mamie. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? Qu'est-ce que... Plouf! Du solvant, du cuivre? Bah, ok. J'ai bien fait. Quelqu'un dans sa vie a pris le temps quand même de prendre un sac Kipsta, a foutu du solvant, de la colle, du cuivre et quelques scies à métaux dans, et puis il l'a foutu sur un cerf. Bah écoute, pas de problème, moi ça me dérange pas. Vénère les radiations, ouais, un peu. Allez, let's go, mamie. On va aller niquer ces enculés. Ok, un club de combat en cage, très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Fight Club, mais y a pas de problème. Ça s'oublie pas, ça, c'est comme le vélo, hein. C'est le Far Cry version féministe, c'est ça? Vu ce qu'on éclate comme gonzesse depuis le début, je sais pas, je saurais pas dire. Mais oui, je crois qu'il y a clairement un sous-texte, mais pour l'instant, c'est pas trop évident, hein. À part les deux renouettes qui nous cassent les couilles, y a pas trop... Ah si, remarque, y a un peu... Y a la nana... Ouais, c'est vrai que la plupart des personnages principaux sont féminins, mais bon, écoute, hein. Perso, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que c'est? La fosse du broyeur. Fosse du broyeur, dis donc. Eh ben, ok. C'est sympa comme nom, j'aime bien. C'est fruité, en tout cas, fosse du... Une offre spéciale en plus. Oh, j'ai amené mes coupons. Mamie, t'as tes coupons? Toutes les mamies, elles ont toujours des livrets remplis de coupons. C'est vraiment super agréable. Fight in the pit. Their pain... Is your prophet? Talk to Erwin Smalls. Ok. D'accord. Ok, let's go. Moi personnellement, je suis chaud. Moi, je suis chaud. Je suis chaud pour décrocher des mâchoires, pour faire péter des molaires, mon gars. Je vais leur pisser dans la bouche. Non, ça, je me calme. Bonjour. Bah, j'ai rien dit. Le mec, il me traite de pauvre con. Qu'est-ce que c'est que ces manières, là? Hein. Ok, allez, let's go. Vois à ta gueule que t'en veux à la terre entière, si c'est pas à tout l'univers. T'as un problème avec les jumelles, non? À une époque, elles faisaient équipe avec moi, tu sais. Je suis un peu leur bras droit, à ma façon. Ce qui fait que parfois, on se rend des petits services, elle et moi. Ça va, ça vient, comme on dit.
Mais cette fois, c'est à moi de leur renvoyer la sonde. Mamie, mamie, calme-toi, mamie. Mamie, mamie, range ça, mamie. Et... Boum, plus de problème. Voilà le mamie. Il y a des combattants dans cette arène et j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait leur coller une bonne branlée. Mais d'abord, j'ai besoin d'être sûr que tu sais cogner. Okay. Et vraiment fracasser des dents, je veux dire, tu vois le genre. T'inquiète. Alors cogne sur cette machine. On va voir ce que tu vaux. Moi, je l'ai cassé en l'essayant. Montre-moi si tu peux faire aussi bien. Ok. Quelle machine? Ah oui, d'accord. Ok. C'est tout? Génial. Attends, je lui ai donné un coup de bras robotique de type 5. Allez, on va mettre ça à profit. Ok, let's go. C'est interdit là où on va, tu penses bien. Et suis-moi. Putain, pas d'arme? Ah d'accord, c'est pour ça, ok, je me disais ce sac était un petit peu présomptueux. Ok, je peux pas mettre de pain. Tu veux faire participer mamie? Bah j'espère. Putain, mais c'est trop cool. Elle est où mamie par contre? Je combattais moi aussi. Je crois que mamie s'est suicidée, clairement. Hein. Ah, il y a des trucs en dessous là. Bon bref. Attends, on ira après, on a tout notre temps là. Tatin. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pas vu la cinématique du début là. Ils ont pas vu la petite cinématique qui explique pourquoi maintenant notre Hogan est devenu un Hogan cyborg de type 5. Il est beaucoup trop beau. À chaque fois que je le vois, il est vraiment trop trop beau. Est-ce que vous voulez que je repasse la cinématique? Je le fais, hein, je m'en fous. Hein. Il en a chié sa cervelle. Ça lui est sorti du cul, hein, tu vois. Alors bon. Rigole pas. Mais je pouvais pas le contrôler. Rigole pas. Oh la vache. Ah, c'est Gladiator en fait, ok, je vois. Renvoie la cinématique, ok, d'accord, ok, bougez pas. Alors, vu que vous êtes... Merde, putain, évidemment, je l'ai viré. Russiane. Sale enculé, Russiane. Ok, vite. Docteur Darling, vous m'avez fait demander. Merde. Oui, Hogan, j'ai besoin de vous parler. T'as ta gueule. Docteur Darling... Vous m'avez fait demander. Oui, Hogan. J'ai besoin de vous parler. C'est important. Dites-moi ce qui se passe. J'ai du boulot en ce moment. Et il faut toujours battre le communiste pendant qu'il est chaud. Hogan, vous êtes clairement trop faible pour les missions qui vous sont affectées. Trop faible? Vous êtes trop humain. Mais je viens de trouver quelque chose qui pourra très certainement vous aider. Comme quoi, par exemple? Ne vous inquiétez pas. Ça va juste piquer un peu au début. Ce pouvoir... Cybercommando de type 5, dénomination Black Hogan. Statut opérationnel. Force, 200%. Vitesse, 200%. Efficacité, 350%, pitié, 0%. Voilà, et voilà. En vrai, j'ai mis beaucoup trop de temps pour faire cette connerie, putain. Et essaie de croiser aucun regard. Ok. Et est-ce que ça va niveau son du jeu, y'a pas de problème là? Vous entendez bien? Va te les faire. Niveau... Putain, la vache, c'est super stylé, par contre. Niveau volume, niveau parole... Ouais, c'est parfait, ok. Tu devrais le tweeter à Ubisoft, je suis sûr qu'il kifferait. Non, mec, c'est bidon. C'est juste des dessins que j'ai calqués sur les modèles du jeu. Franchement, ça m'a pris une soirée. Le montage m'a littéralement pris plus de temps. Faut que je la tape, la gamine. Bonsoir. T'as beaucoup de chance. T'as beaucoup de chance. Le petit connard, donc c'est vraiment son nom, le petit connard. Ok, bienvenue, donc c'est bien ce que me disait Funeral, c'est vraiment LMF en fait. J'ai très envie d'éclater des dents. Donc ça c'est Spider et Scad, sauf que là Spider va pas se foutre son propre pain dans la gueule, comme à l'IRL. Y'a un mec qui fait du shadowboxing, ouais c'est ça, c'est à LMF. On est bien chez nous là. Ça va? Ils se ressemblent tous, j'aime bien. L'autre il fait des compétitions de strongman, il fait son petit crossfit. Allez, tape dessus avec ta batte normalement, c'est ça la prochaine étape normalement. Tu soulèves ça 10 fois
Ensuite, tu tapes avec ta batte et tu repars pour une série. Allez, let's go. Allez, go, 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 go. Ouais, t'as beaucoup de chance. Allez, c'est parti, on va péter et les gueules. On va péter. C'était cinématique. Merci beaucoup, Pav. Je suis ravi que ça vous a plu. J'ai mis un peu de temps dedans. J'en suis très très fier. C'est une connerie, hein, mais j'en suis très très fier. Bouge pas, je vais remettre la liste. Parce que j'ai pas la liste des alertes. Du coup, je vais pas pouvoir vous lire tout le temps. Je m'en fous, Streamlabs. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Voilà, merci. Voilà, merci, j'ai dit. Voilà, merci. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Pav. Ça me fait super plaisir. Je suis content que ça vous ait plu. Allez, let's go. C'est là qu'on s'inscrit ? T'as besoin d'un nom de scène pour pouvoir te battre. Pour qu'on sache contre qui... Cybercommando, dites-moi qu'il y a un truc genre type 5 ou cybercommando. Il a une tête de sucette. Ça se voit tout de suite. J'ai une tête de sucette ? De quoi ? Attends. On peut en reparler ? On peut en reparler ? Je peux pisser ? Je vais t'en montrer une de sucette. Tu vas voir, mon gars. Ok. Petit connard, sucette, ouais, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais, venez tous, je vous prends tous en même temps, un bras dans le dos et sans transpirer, tu vas voir. Tard ta gueule, toi. T'as cru Ubisoft, t'allais laisser le choix. Ouais, je m'attendais à au moins 3 choix, tu vois, comme dans Oblivion, mais non. Tant pis, ce sera un autre jour. Pourquoi il y a un Oompa Loompa qui t'embrouille? Oompa Loompa, doubadidou. Attends. C'est qui? C'est les gamins, ils ont tous la même voix là. Vous inquiétez pas, je vais trouver un mode pour vous défoncer vos races. Vous inquiétez pas, y a pas de problème. Ouais, j'attends. Pour l'instant, j'encaisse. Pour l'instant, je dis rien, j'encaisse, mais t'inquiète pas, ça va se faire. Oh putain, la vache, l'ambiance. Ça va? Dépoussière-moi un peu ça, putain. Attends, les gars, vous avez une prestance quand même à assurer, y a un show derrière, hein. Mais les mots sont l'arme des faibles. Ça me rappelle juste Oblivion. Retourne vite à... Ah merde, excusez-moi, j'ai pas lu. Un peu tard. Ah mais trop tard du coup. Waouh. 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 Bonsoir. Je vais vous chanter... Si rechercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, notre danse n'est... N'est-ce pas que ça vous a plu? Maintenant je repars. Dis-moi, mec. Vous pouvez partir, les gens ils m'aiment pas. ma chanson les a pas du tout impressionnés. Ok. On va arrêter les conneries. On se détend, on se. Sucette. Oui, c'est moi. C'est Sucette. Je vais tous vous montrer pourquoi on m'appelle comme ça. Ok, c'est qui? Il est où? Ok. Oh non, c'est des petits pips. Casse-toi. Ah merde. Faut leur mettre des beignes, c'est tout. Y a pas d'armes sur le terrain. Attends. Si, non, j'ai cru voir un truc qui brille, non? Ah oui. Ok, aïe. Casse con de clef, ça la con. Voilà. Cybercommando type 5, ma gueule. Il y en a une autre. Non, mais mets-lui des pains au lieu de faire la gigue. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est con ce cybercommando. L'autre il danse le French cancan. Attends. File-moi. Putain, je veux la branche. Attends. Merde, H. Oh là là, j'ai plus l'habitude. Attends. Oh putain, ça part en couille. Je sais pas, je crois que j'ai merdé un peu. Attends, file-moi la branche. Casse-toi. Attends, c'est la merde. File-moi ça. Aïe. Casse. Oh putain de con. Oh, c'est un petit bouvier. Allez, nique ta mère. Voilà, c'est bon. On est tranquille. Tiens. Ok, c'est bon. Oh, j'en ai encore plein. Ah merde, pardon. Je suis désolé, mec. C'est mon copain maintenant. Je suis désolé. Je lui ai lancé une batte sans faire exprès. Oh, merci. Non mais moi j'ai aucun problème avec manger du caca, hein, donc c'est, vous, si vous voulez jamais envoyer du caca, y'a pas de problème. Hein. Ok, deuxième manche. Ils sont où? Et toi? Ça va? Ha! Non mais c'est bien d'avoir fait un truc comme ça où tu peux pas parer, tu peux pas esquiver, tu peux... C'est sympa, c'est pas mal. Laissez-moi juste me gaver de drogue et puis je suis à vous les gars. Vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a un moyen... Attends...
Aou. Ouf. Ok, pas de problème. Tiens, c'est beaucoup trop efficace. Je crois que ce sera ma seule et unique tactique. Hop, mange ta race. Hop, j'en prends une autre. Mange ta mère. Attends, il y en a une autre là, je crois. Hop. Nique ta race. Attends. Ah putain, à chaque fois je fais du French cancan, c'est chiant. On peut pas déclencher de pain quand on veut en fait. Quoi? Les tonnes. Hein? Non, mais c'est tranquille, ça pète vraiment très rarement. De toute façon, l'essence ça prend pas feu comme ça. Hein. Tiens, nique ta mère. Il y en a pas une autre. Attends. Ouh. Attends, je vais jongler. Bouge pas. Oh putain, petit cochon. Enfin, t'es un énorme cochon, mais. Occupez-vous de lui. Vas-y. Vas-y. Ça, c'est côte de porc. C'est comme dans Oblivion, c'est côte de porc. Attends, je vais le défoncer parce qu'il présente plus de risques que le trou du cul, là. Ah, on est copains. Attrape. Vous voyez que ça pète pas? On peut flipper pour rien, les mecs, hein. De quoi? Quoi, un putain de barbecue en approche? Maintenant, on fait un barbecue? Bah, je veux bien, mais c'est pas le moment. Ah, d'accord. Ah, oui. D'accord. Ok, d'accord. Ah, bah, écoute, ce qu'on va faire. Excuse-moi. Oh putain, il. Ouh la vache, comment il l'a pris? Attends, déjà, je ramasse ça. Est-ce que tu penses que je peux. Ok, c'est n'importe quoi. Ok, c'est super. C'est génial. Attends. Gaffe-toi. Allez, go, Richard Virenque. Ça va? Tiens, mange ta race. Mange ta mère. Ok, c'est bon. Ok, il me faut d'autres battes. J'ai que 3 battes. Ok, ramasse toutes les battes que tu peux, poteau. Ta gueule. Ça me fera toujours rire. Non. Oh non! Merde, ça a pas marché! Tiens, ok, celui-là il l'aura pas au moins. Ouh. Attends. Est-ce que j'ai ma batte? Non, j'ai rien chopé. Putain, mais y'a pas un seul bouton pour bloquer. Ok, ça va être extrêmement vénère. Ok. Vous voulez que je passe en mode type 5? On va passer en mode type 5. Je vais absolument rien changer à ma tactique. Vous inquiétez pas. Ok, ça part directement au niveau 3, d'accord. Ok, bon, c'est déjà ça. Ah, trop rigolo. Vous inquiétez pas, y'a pas de problème. Vous avez de la chance que je puisse pas sortir ma canne à pêche parce que vous seriez tous. Aouh. Oh putain, attends, je me suis pris dans la gueule. Non, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Tiens, nique ta race. Alors, ce qu'on fait, attends, regarde, hop. Ce qu'on fait, il faut les kites. Il faut les kites comme ça. Comme ça, ils savent pas quoi faire. Bip. Toi, nique ta mère. Hop. Oh, ok. Je suis touché, tu m'étonnes. Ok, c'est bon, je les stunlock. Pas de problème, aucun problème. Tant que j'ai des battes, je suis tranquille. Tant qu'il y a des battes, il y a de la harbatte. Bratre. Hop, ta gueule. Hop, ta mère. Maintenant, on passe là. On les calme. Voilà. Est-ce que t'as vu les vieux coups de batte qui font tout? Hop, excuse-moi. On vient de me dire que le tuyau est mieux. Hop, ah bah c'est bon. Ah, parfait. Je prends ça. Bip. Ok, impeccable. Non, ça se passe bien. C'est lui le champion, hein. C'est lui le Kogan. C'est lui enfin. Ah non, c'est lui le champion. Oula. Ouais, ça va être vénère quand même, non? Beaucoup de chance. Ok, oh là là. Ouh, putain. Mais attends, c'est dégueulasse. Non, monsieur, arrêtez. On peut être copains, Oh la vache. Ok, donc ça va être pas drôle, quoi. Ils ont réussi à virer tout le fun du truc. C'est bon, les cons. Aouh. Il me faut un medikit. Ta gueule. Tiens, sale enculé, va. Oh putain. Il a peur, cybercommando. C'est la merde. Attends, je rebuild un peu de santé.
Je suis plus endurant que toi. T'as la haine, hein. T'as la haine, vieille merde. Attends, on ramasse ça au passage. Ah, j'ai loupé ou pas? Ouais, j'ai loupé. Ça, c'est bon. Je vais ramasser 2-3 autres. Voilà, on passe juste sur les armes. Comme ça, on se fait un petit stuff. Hop. Esquive. Ow. Pourquoi j'ai pas de bouclier, moi, par contre? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. Nouvelle technique. Ok, bon, c'était pas mal. Sucette, mon gars. Yes, by the power of the sucking dick, I am the champion. Vous avez tous beaucoup de chance. Attends, je peux pas en ramasser un pour en balancer un juste en random dans la salle. Attends. Tiens, attrape. Putain, il est blindé. Agenouillez-vous devant la foule. Mais j'ai pas... Bonsoir. Je sais pas. Ok, bon, t'as beaucoup de bol. T'as vraiment beaucoup de bol. Allez, on retourne. Pique sa batte. Comme Patrick. Ouh. Batte en acier optimisé. Ah, mais c'est ça qu'il avait en plus, le bâtard. Tu m'étonnes qu'il me foutait des quéquettes aussi. Le sale enculé, là. Ok. Bonsoir. J'ai peur maintenant, j'ai peur qu'il y ait un chien dans mon dos, ou un facochère, ou un mec avec un bouclier. Y'a personne, hein. C'est fini, les combats. On fait plus de mal, hein. On peut faire des petits apéros surprises, on peut faire des brunchs maintenant, si vous voulez. Si vous voulez, je reviens demain, et puis on se fait des petites tartines, des tapas. Les tapas, je veux bien taper, non. Tapas, oui, taper, non. Voilà. Ça va être ma nouvelle règle. Taper, non, tapas, oui. Non, je voulais faire une connerie, mais je vais pas lancer ma nouvelle batte. Attends. Bon, bah, c'était bien. Par contre, te balancer un ultra à la fin comme ça, franchement, ça, c'est vénère. Hein. C'est vraiment vénère. Hein. Le jeu hésite pas quand même à te balancer. Je vais les chasser à coups de patte. Dans la nature, le cerf vidé à cornes brillantes aime surtout manger le bitume. Et ma grosse batte dans sa sale gueule. Regarde. Regarde ça, on calcule. Merde. C'est bon, il a pas tilté. Merde, il a tilté. J'ai cliqué sans faire exprès. Attends. Oh merde. Bon, t'as. Au revoir. Putain, je suis trop vénère. Je voulais défoncer un putain de cerf avec une batte, mais j'ai même pas pu, quoi. On m'enlève mes droits primaires. Les droits primaires d'un homme, ce serait boire, manger, foutre des coups de batte à des animaux. Vraiment. Quoi? Ah, tu reviens, toi. Ah, oh, c'est juste un con qui fait des tours en camion, c'est bon, il est con. C'est bon, il est con. Ah, mais attends, il y a ça aussi. Ah. Je me sens un peu comme le chinois dans la tour Montparnasse infernale. Attends. Aïe aïe aïe. Attends. Ma batte. Ok, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Ah bah je l'ai gagné, je vais pas laisser tomber celle-là. Attends. C'est quoi, je vais aller voir ça en plus, sans mes armes. Parce que dans la vie, j'aime bien le défi, surtout. Le défi et mourir. De toute façon, ils viennent quasiment jamais chercher leur truc. Ah bah apparemment, sauf aujourd'hui, évidemment. Attends. C'est pas moi. Excuse-moi, pardon. Ah oui, mais attends, ils amènent des femmes. C'est un lance-flamme que j'ai entendu ou pas? Non, normalement c'est bon. Ok. Impeccable. Allez, on va récupérer nos armes. C'était bien. Je suis très content d'avoir... Mais je voulais foutre la BO de Punch-Out. Pour cette partie, mais j'ai oublié, évidemment. Moi, il y a un gouffre. Je dois penser à un gouffre dans le putain de stream, mais évidemment, j'ai oublié. J'ai oublié, quoi, bravo. Quel connard ce Russian. Moi, j'ai jamais aimé. Hein. C'est le pire streamer. Hein. Je préfère Ninja. Je préfère Fanta. Bonsoir. Ça va? Passe une bonne soirée? Touk. Le gouffre planifié mais oublié, bah oui, non, mais évidemment, y a que moi, j'ai un truc à penser dans ma vie, et voilà, faut que je le loupe. Malin, c'est ça? Tu te prends pour un boss?
Parce que c'est quoi exactement ce que t'étais, toi. Ah d'accord. Tu te bats super bien. Ok, t'as vraiment du bol, ouais. Rattrape-toi, le mec il a réussi son QTE là. Quand je pense à ce qu'on pourrait faire ensemble, des trucs fous. Vraiment. Tu veux niquer? Moi je suis pas pédé, mais 5€ c'est 5€ poteau. Hein. Je vais trouver. Crois-moi sur parole, j'ai les meilleures idées. Enfin, tu vois. Faut que je réfléchisse un peu, et pour ça j'ai besoin d'espace. Alors laisse-moi tranquille. J'arriverai à rien si tu restes là dans mes pattes. Oui, non, mais je veux bien, mais moi je veux juste récupérer mes armes. Hein. Moi c'est tout ce que je veux à la base. Mes armes. Oh, ouais, yes. Est-ce que j'ai au moins gardé la méga batte? Ouais, c'est bon, j'ai la batte. Impeccable, c'est la batte que je préfère. Alors attends, il y avait des trucs en bas là? Attends, il y a. On va pouvoir faire un. C'est bon, oh, c'est la première fois que ça marche. Je sais pas quoi faire, ça a jamais marché avant, je sais pas quoi faire. Ok, c'est bon, monte. Ok. Mais je vous avais dit, je suis pas fou. Je vous avais dit que ça marcherait. Allez, une deuxième fois, regarde. Ça marche pas tout le temps non plus, mais ce serait trop facile. Mais ça marche des fois. Et je m'en fous, je l'ai montré que ça a marché une fois déjà, donc je m'en fous, hein. Oh putain, oula. J'entends des... oula. On va rejoindre la berge très vite, parce qu'en plus, il y a des poissons Godzilla, Hitler, là, et ça me plaît qu'à moitié. Sinon, ça va, t'as pas de folle. Bah, j'ai encore mal, mais ouais, ça va. Ça va se soigner, hein. À moins que tu parles du bras mécanique de Black Hogan type 5. Mais lui, ça va encore mieux que moi. Je regardais pas quand tu l'as montré, donc ça compte pas. Ok, d'accord. Non, mais attends, mais t'inquiète. Ok, Alain. T'inquiète, vas-y, que quelqu'un clip. Vas-y, tu vas voir, Alain, tu vas voir. Vas-y, reste là, mec. Reste là. Si je réussis, tu nous dois un don de 550 balles, ok? Non, je déconne. Twitch, nous arrêtez pas, s'il vous plaît, c'est pour déconner. Non, mais c'est vraiment. regarde. Je m'arrête même pas, regarde, je regarde dans l'air. Je le fais sans même regarder où je vais, tu vois. Attends, faut déjà que je rentre dans le truc, voilà. Attends, c'est là, voilà. Ah! Mais non! On oublie, hier est loin, si loin d'aujourd'hui. Mais il m'arrive souvent de rêver encore. Mais vas-y, Tu sais ce qui m'a niqué? C'est le jeu. C'est pas que j'ai foiré, c'est le jeu qui a foiré. Parce qu'il m'a loqué dans une animation de plongeon que j'ai jamais demandé. Pente d'enculé, là. Ça, c'est Ubisoft. Ça, c'est Guillemot, ça. Ça, je le connais, Guillemot. C'est un petit briscard. Il s'est dit, tiens, on va faire en sorte que Russian, il puisse pas montrer qu'il est cool. Cet enculé de Québécois. Tabarnak. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de me voir. Attends, c'est quoi? Et qui, toi? Ça va? C'est qui ce con? Attends. Mais alors? C'est plutôt un bruton, Guillemot? Mais. Pardon? Aïe! Putain, j'arrive pas à lui tirer dessus, attends. Attends. Ah, mais y'en a un là aussi! C'est lui qui m'a niqué! Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais pas nager, trop de cul! C'est extrêmement énervant ce que tu. Attends. Ah! Attends, faut lui tirer dans les couilles, je crois que ça marche mieux. Attends, non, mais je vais me faire buter si ça continue. Attends, je me prends des couteaux de lancer, je me fais buter. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Je suis un cybercommando type 5, attention hein! Tiens. Vas-y, c'est ça court, ouais. Tiens, nique ta race, ouais, c'est bon. Le combat de teubé. Bah oui. Mais ils savent pas nager, moi j'ai pas envie, donc forcément. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Promenade dans la grâce, très bien. Il s'agit de niquer une grosse. Ça on a récupéré. Chasse au trésor, on en a pas. Eh bah écoute, j'ai l'impression qu'on va aller se promener dans la grâce, hein, quelque part. Et je crois qu'on peut améliorer la base, non? Encore deux aménagements et deux experts à sauver. Ah, peut-être pas encore, en fait.
Mais bon, on va faire ça. Non, tu sais quoi, non, j'avais dit qu'on ferait un truc dans la dernière fois que j'ai streamé, ce serait de récupérer Nikrai et Sharky Bocha. On va commencer d'ailleurs par Nikrai, tiens, allez hop. Let's go. Voir Nikki. Nikki Ménage. Nikki Ménage. Attends, où est-ce que je peux me TP facile là? Voilà, ici. C'est con, Ruru, ils sont déjà passés au cybercommando type 8, tu vas plus pouvoir faire les mises à jour bientôt. Putain, merde, moi c'est un type 5 que j'ai fait. Il est encore sur les vieux plugins. Ça fait tout 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 quand tu l'allumes. Commando de type 5, allumage. Allez, let's go. On va récupérer l'autre con. Non, c'est pas là, du coup, c'est là-bas. Yes. Je pense que Ruru, tu vas dire que Sharky, c'est moi. Ouais, d'accord, je vois le genre. Ok. Putain, il y a encore un lac à passer. Ça fait chier, tu te fais toujours bouffer par des trucs gigantesques dans les lacs. Même en général. Hein. Quand on était gamin, on aimait bien aller dans un lac près de chez nous. Dans le village de Rochefort-en-Terre. Pour ceux qui veulent aller voir. Et le village de Rochefort-en-Terre a un lac qui, je pense, abrite des créatures d'un monde qu'on n'a pas encore visité. Et si tu rentres sans te protéger tous les orifices, tu chopes une maladie du Moyen-Âge. Et une fois, mon pote Thibaut a eu le malheur de boire la tasse dans ce putain de lac. C'est le lac, genre, il est pas transparent, l'eau n'est pas transparente, c'est pas possible. L'eau est verte, même si tu la fous dans ta main, tu vois le vert, tu vois ce que je veux dire. Et donc il a bu la tasse dans ce lac, et je crois qu'il a été malade un truc, genre un mois et demi, deux mois, il avait chopé un truc, personne savait ce que c'était, ça se soignait pas, il avait testé plein de trucs, ça marchait pas. Mais il s'en est sorti, mais oui, c'est plus ou moins le Gange, franchement, le Gange à côté... Le Gange, au moins, il y a un courant. Là, c'est un lac, ça bouge pas, hein. Mais qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez de tuer les gens, bande de cons. Ça se fait pas du tout, déjà. Attends, je vais te foutre un coup d'arc dans ta gueule parce que tu mérites. Bip. Voilà. Il est où, l'autre? Y'en a un qui me voit, là? Ouais, c'est bon, il a explosé. Hop, t'inquiète pas. Oh la vache, ça a dû être flippant pour elle. Attends, je l'ai pillé, je suis à toi. Ouh. Ah non, c'est mon arc, ok. Ça va? Ok, je te libère. Attends, chut. Voilà, c'est bon. Tatin, 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 tadana. Ok, on se casse. Techniquement, tu l'as libéré de ce monde. Franchement, qui a envie de vivre dans un monde où Blockbuster ça existe pas, où il n'y a plus Domino's Pizza? Franchement, moi je préférais crever. Je lui ai rendu service. The book is the key. On l'avait déjà vu, tiens, la dernière fois, ça. Au dernier stream. Qu'est-ce que c'est? C'est le Mordor? Putain, heureusement que j'ai pas l'anneau et que rien n'est en train de me regarder, parce qu'il dit non, c'est attention, hein. J'ai pas mon jardinier pour me porter sur ses épaules et me sucer la bite. J'ai pas regardé le même film que vous. Reste là, toi. Attends, je veux le chasser sa mère, lui. T'en cul, tiens. J'aime chasser des choses. Regarde, il est beau. Je suis sûr il est tendre. Caribou niveau 2, mon gars. Le livre et la quille. Dans ce monde, c'est pizza et tout à Cobel. Ah, dégueu. J'avais commandé une fois Pizza Hut et j'avais fait le malheur de... Oh putain alors toi. Attends, t'es où? Ok, bon, ça saoule. J'avais fait le malheur de commander, ouais, avec la cheesy crust, avec la pizza dans la croûte. Oh putain, l'horreur. Mec, c'était un cauchemar, quoi. C'était tellement dégueulasse. Pizza Hut, c'est bon si tu prends pas les pizzas. Bah, c'est ce que j'ai entendu aussi, apparemment ils font des appetizers qui sont bons. Ouais, écoute, je suis un peu anglais, donc... Ah, écoute, on facilite, quoi. Là, je communique. Cheese Kush, c'est un nom de bœuf. Oui, Cheesy Crust. Mais Cheese Kush, mais déjà c'est avec un K. Pardon, excuse-moi. Ah, loupé, tant pis. Hop, toi ta gueule. Comment il est tombé trop nul? Tiens, toi ta mère aussi. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais t'es complètement con. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu voulais monter là? Y'a quoi en haut? Ah, y'a une tourelle. Bah oui, mais non, mais fallait le faire direct, mec. Réfléchis. Oh là 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 là.
Domino's, il n'y a que la 4 fromages qui est mangeable. Ils font des petits chicken nuggets. J'ai failli le dire. Des petits chicken nuggets à s'en lécher les doigts. Pop, 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 watching nuggets drop. Mais ouais, j'avais commandé qu'une pizza. Mais écoute, si vous dites que les apéros sont bons, alors. Enfin, les entrées sont bonnes. Mais est-ce que sur Pizza Hut, on peut commander uniquement les entrées? Je sais que Domino's, on pouvait avant. Et maintenant, ils obligent de prendre au moins une pizza parce qu'ils se faisaient niquer. Une fois, moi, j'avais commandé juste des frites et 6 litres de coca. Et le livreur, quand il est venu, il a fait la gueule. Mais maintenant, on peut plus faire ça. C'est tout? Tout ce qu'il y a? T'as beaucoup de bol. Beaucoup de bol. Beaucoup de bol. Man versus wild, mon gars. Man, tu peux... Viens. Viens voir. Tu viens. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Là, l'arc est complètement pété dans le jeu. Hein. Comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que tu... Ok. Pourquoi personne me tire dessus? Qu'est-ce qui se passe, là? Il me voit pas ou quoi? Je me sens invisible. Ouvrez beaucoup de bol. Oh ta gueule. Ça va? C'est toi Nigraï? Mais t'as quasiment pas vieilli, ils t'ont juste mis une barbe grise. C'est quoi cette merde? Merci. Merci beaucoup, putain. Faut que vous compreniez. Ça fait mec, ils ont juste pris le même modèle, ils lui ont mis une barbe grise et le mec il a fait. Ok, faut que je fasse Nigraï vieux, d'accord. Allez, on se met en route avant que ces salopards repointent le bout de leur nez. Eh mais en plus c'est Donald Renew. Ravi de vous rencontrer. Ah non mais tu peux pas lui demander de faire une voix de vieux à Donald Renew. Suivez-moi. Il a une voix encore plus douce que la mienne. Oh. La 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 la. Tu vois? Génial. Quoi? Excelsior. Il est où? Ah il est là. Ah d'accord, ok. Là, c'est pour ça qu'il a dit génial, d'accord. Et Geronimo. Où? D'accord, j'adore ce bras de type 5. Il a tissé une toile. Folle, tisse toile. Après, dans le jeu, il est pas vieux de base, c'est juste 17 ans plus tard. Oui, mais il est censé avoir quand même la cinquantaine, quoi. Non non, quarantaine peut-être. Non, cinquantaine plus, je dirais. Environ, quoi. Un peu moins de la cinquantaine, là, 45 ans. Mais là, on dirait qu'il fait 70 avec ses cheveux gris. Et en plus, ils lui ont mis... Mais je m'appelle Nigraï. Bonjour les enfants. Y'a quelqu'un qui veut voir ma bite? Qu'est-ce que c'est? Non, je crois pas non. Non merci. J'ai mon arc destructeur, y'a aucun problème mec, tu peux y aller. Moitié de la quarantaine, 46. Oui voilà, c'est ça, ouais, il a un peu moins de 50 ans. C'est juste un peu plus loin. Eh oui, j'ai 45 ans. Oh bah la clope a bien aidé hein. J'ai eu la clope, il a fallu qu'on m'enlève les amygdales, la glotte et la langue. Bon, je te dis pas comment je galère. Ça fait 8 ans, personne me comprend. Le voilà. Le voilà quoi? J'ai pas tout perdu. Ouh. Ah oui, mais il manque un gros bout quand même. Oui, mais il manque quelque chose. Je saurais pas dire quoi, mais il manque quelque chose qui... qu'est-ce qui manque à cet avion? Les skis. Yeah. La carlingue, y'a. Le petit propulseur, y'a. Non, mais ça doit être bon pourtant. Ça va, Nigraï? Ah, bah, moi, ça va super comme un premier jour. Y'a aucun souci. Macron, démission. Ok. Ouais, mais t'es sûr? Comment on fait pour avancer? D'accord, j'ai. Aïe, aïe, ok. C'est par là-bas? C'est par là-bas? Non, c'est par là-bas où? C'est par où qu'on va? Tu m'as pas dit où on allait, Nick? Attends. Je vais foutre sa mission parce que... grande évasion, voilà, c'est ça. Ok, c'est bon. Ok, j'ai une Gatling. Bon, ça va. Waouh. Ouh. Ah, c'était extrême, hein. Il manque un pilote. Oui, c'était ça, Alain. Du coup, c'est bon, là. Oh. Extrême. Extrême, dinosaure. Mais attends, j'ai des musiques ou quoi? Depuis le début, j'entends pas de musique. Aviator dit depuis quand un avion ça a besoin d'elle. Merci beaucoup. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio dans Aviator. J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de mal.
C'était vraiment... En fait, à chaque fois que je vois DiCaprio, j'ai envie de dire Brad Pitt. Mais pas du tout, en fait. Mais c'est un aéroglisseur que t'as fait. Bah, écoute, ça marche pareil, hein. Éclat de synapse. Moi, tant qu'on a une Gatling, tout véhicule est un avion, en fait. C'est ce que je pense, hein. Mais ce serait quand même mieux avec des ailes. Je suis pas mécano, hein. Moi, à la base, je suis dans la sécurité. Donc bon. Mais avec des ailes, ce serait, je pense. Avant-gardiste. On fonce. C'était peut-être pas une si bonne idée. Accrochez-vous. Bloop. Oh, c'est bidon comme tout. C'est bidon comme tout, mec. Ça fait un vieux... Merde, les ravageurs. Ah bah merde, qu'est-ce qu'on va faire? Nick. Ce serait vachement plus choucard avec des ailes. Ça va les gars? Hop, vous êtes tous morts. On a calé? Non, c'est bon. Ouh là 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 là. Ok, j'ai eu beaucoup de balles. Non mais je vous ai dit, tout ce dont on a besoin, c'est une Gatling. Attends, parce que ceux derrière vont me casser les couilles. On va faire un petit demi-tour. Lui, je le bourrine. Ah bah, il est déjà mort. C'était un niveau 1. Toi, tu me saoules là-bas. Mais attends, il faut qu'il recharge. Vous inquiétez pas, j'arrive. J'arrive pas à toucher. Si, c'est bon. Non, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave. Ça change rien. C'est pas grave. Le mode streamer sans musique, c'est bidon à mort. Est-ce que vous voulez que je remette les chansons? Vous voulez que je les mette, les musiques? Moi après ça me dérange pas, le seul souci c'est qu'il y aura des parties qui seront... Enfin non, en plus il y aura même pas forcément de parties qui seront mutées, mais il y aura des... on risque le lockage de la vidéo quoi. Faut juste que vous me disiez... Indiana Jones c'était mieux. Merci Madness, je suis d'accord, mais merci Madness. Tant pis pour la rediff, envoie la Zik. Bon bah écoutez, moi ça me dérange pas, hein, mais c'est juste pour vous. De toute façon, on les monétise pas les rediffs, hein. Mais c'est juste que c'est plus clean et comme ça on risque pas de se faire arrêter une moitié de vidéos pour rien quoi. Mode streamer, non, et c'est parti. Pour le choc. Y'a toujours pas de musique du coup parce qu'on a déjà lancé le script, mais c'est pas grave. Si, y'a une musique là ? Il y a une musique très très faible, mais écoute, c'est déjà ça, hein. Si on se fait démonétiser juste pour ça, franchement, bah, il y a une petite musique, oui, c'est agréable. Enfin, avec le bruit de la Gatling en même temps... Excuse-moi. On est presque arrivés. Merde, je vais pas vous mentir, j'avais presque baissé les bras. J'aurais jamais cru échapper à ces ravageurs. Oh, t'as pas de problème. T'es mon copain. Moi aussi, j'avais 19 ans en 2007. Ça nous rajeunit pas. Regarde, t'as pas baissé les sons de la musique en fond. Non, j'ai rien baissé. En plus, je crois qu'en audio, on peut même pas vraiment changer. Non, tu vois, on peut même pas changer le volume de la musique, en fait. Ce qui est vachement étrange, en fait, maintenant que j'y pense. On peut pas changer le volume de la musique. C'est juste oui ou non. C'est chelou, ça, non? On va faire un réticule épais. Et réticule centré. Centré et épais, tiens. Difficulté du jeu, coriace. D'accord. Oui, c'est, je crois, oui, j'avais mis chaud au début, ouais. Bref. Quand tu parles, je m'en fous. C'est marrant ce que tu dis, c'est pas très marrant. Pardon, excuse-moi, pardon. Salut. À demain, hein. Le barbecue, tu viens de chercher mercredi, je le garde pas 3 jours, hein. Ok, go. Putain, y'a un putain de renard. Viens là. Saloperie, ouais, t'as beaucoup de chance. Ah, ouh. Ça va? Impec. Qu'est-ce qu'il fout? Il est où? Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, putain de bordel de merde. Toi, t'as beaucoup de chance, toi, que je t'ai pas fait souffrir. Franchement, hein. Moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Nick? Franchement, t'as des soucis, mec, hein. Il y a des trucs qu'il faut que tu règles, hein. Moi, je peux pas tout faire, hein.
Bon, allez, viens, Nick. Oui, je sais, ça fait mal. C'est bon ? Oh, putain. Oh, j'hallucine, quoi. Boum, boum. Allez, monte. T'es monté ? C'est bien. Trou de balle, ouais. Allez, go. Oh, la vache. Oh, le bestiau. Ça se mange, ça ? Ok, go. Doucement. Voilà. Regarde. Il y avait un truc au bout, hein. Il y avait un truc au bout de l'acheter, je suis pas fou. J'irai voir quelque chose, mais je suis pas sûr. Ok, ok, c'est parti. Carmina ? Ah, il va voir sa meuf. Waouh. Moi, je m'allume une clope, hein, parce que... Ça va être trop émotionnel, les gars, attention. Attends. Oh là là. Oh, ça va être... Oh, mon cœur, il saigne. J'ai le corps qui brûle. T'as perdu quelque chose ? Tu cherches ma couille ? Je l'avais mise ici ! Si t'as du boulot, je peux revenir plus tard, non ? Carmina, elle est où ma pince coupante ? C'est l'heure de l'excision ! Oh ! Haha, je t'avais pas vu depuis 17 ans, mais je te reconnais. Pourquoi il était séparé des autres, d'ailleurs ? Ton perso qui mate comme un keg. Vous inquiétez pas, je suis toujours là pour une bonne famille américaine. Toto, Toto. Et B. Donc ça, c'est bon. Maintenant. On va s'occuper du original funéral. On va l'appeler original funéral. Parce que je pense que c'est totalement lui. Il s'était fait enlever par les jumelles. Oui, mais je l'ai pas libéré, là. Il était tout seul. Enfin, il était en pleine cambrousse. Il y avait personne autour de lui. Il était pas dans une cage, ni rien. Il aurait pu se barrer, non ? Attends. J'écrase juste ma clope. Parce que je pensais que la cinématique allait être plus longue. C'est un problème de calcul de ma part. Voilà. Tranquillou. Ah mais vous me cassez toujours les couilles avec ça, je m'en fous, hein. D'accord. Ok. Mais moi, ça, vous êtes au courant que ça n'a aucune importance pour moi, quand même. Vous êtes au courant qu'il pourrait crever ou vivre. Moi, tant qu'on a encore les chiens et les vaches, y a pas de problème, hein. Par contre, il est où le petit pipou ? Je sais qu'on peut débloquer un petit pipou, alors je désire savoir où il est. Peut-être, ce sera peut-être plus tard. Là, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est un super spot trop frais pour la wingsuit, mon gars. Ah, peut-être pas si frais que ça. Non, c'est un peu de la merde, en fait. Je trouve les jumelles très mauvaises. Je l'ai rencontré au Pif le chien. Ah, Pif le chien. C'est marrant, ça fait parce que c'est pas le chien, en fait, à la base. Ouais, c'était une petite blague. Je suis pas forcément du super fier, mais t'es pas non plus complètement nul. Tiens, toi tu crèves parce que je l'ai décidé. Ah, c'était une femelle en plus. Alors. Ah, trop drôle. Ouais, bah je t'emmerde. Alors, il est bon le Russian ou il est pas bon le Russian, putain ? Attends. Oh, il y en a encore d'autres, mais c'est un cadeau ce coin. C'est un filon, quoi. Donc vous l'avez rencontré où ? Plus en bas à gauche. Là ? Dans cette zone-là ? On ira voir après, on va libérer Sharky Bosha et puis on ira voir après. T'as beaucoup de chance, toi t'as beaucoup de bol. Moi ouais, j'arrête de buter les animaux parce que bon, je vais encore avoir la péta au cul. J'ai un pète au cul, c'est quoi ça ? C'est quoi ? Ça c'est pas un wapiti, je reconnais. Je reconnais toutes les marques. Ouais. Recharge. Ouais, non le chat, non le chat, c'est mon goûter le chat. Tiens, nique ta grosse race. Oula. Je crois qu'il y a un mec au loin qui va se prendre ici. Oula. Alors chérie, ça va ? Je suis super content de t'avoir retrouvé. J'ai construit mon avion et cré. On joue déjà à Cabela. Oui, c'est un petit entraînement pour tout à l'heure.
Oui, du coup, j'ai débloqué la scie niveau 2 qui me permet de faire ça. Et ça, ça tire, je crois, plus loin ou plus fort. Je sais plus très, vraiment, mais c'est sympa. Ok, go. Mon bateau. Ok. 500 mètres. Il est joli, le jeu, quand même. Mais tu vois, c'est dommage qu'ils en ont pas fait juste... que Far Cry 5 ait pas juste été ça. Ils devraient juste couper, en fait, couper les liens avec, avec les settings actuels et faire que des settings rigolos, comme ça. Parce que les gens, je suis sûr qu'ils aimeraient bien, en plus. Je crois que New Dawn s'est pas forcément fait déboîter par la critique en plus. Je crois que les gens étaient plus ou moins unanimes pour dire que c'était pas, c'est pas si terrible que ça. Même s'il est un peu cher, je crois que c'est surtout ça qui ressort. Mais franchement, toi, mauvais choix, toi. Toi, c'est vraiment un très mauvais choix. Toi aussi, peu importe ce que tu vas faire sur cette échelle, il faut pas y monter. Hein. Hop, attends. Oh putain. T'as beaucoup de chance. Comment tu fais pour faire spin la lame? Faut juste rester appuyé. Tu fais zzzz, bip. J'ai l'impression que j'en ai tiré 3, non? Yes. C'est quoi? Oh non, c'est de la merde. Quoi? Ouh. Super lame. J'ai loupé mon numéro. Oumir. Non, c'est pas cheeseburger ça. Il est où? Non, c'est pas cheeseburger, il est tout pété. Qui tu manges là? Faut voir, je peux avoir un petit bout. Casse-toi. Ça, c'est incroyable ce qu'il y a comme bestiole dans le coin. Saison du grizzly, défi terminé. C'est au moins un Mike Bacon. C'est un 280 kilos. Blague. Oh, je vais faire de la wingsuit ici. Oula, attends. Ça, c'est un avant-poste. On va pas le faire tout de suite. On le fera plus tard. Pour l'instant, on reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi, je reste tranquille, comme disait Didier Barbe. Il vient. on reste pépouze. Salut, Silendil. Ça va, poteau? C'est pas trop la démocratie là en ce moment, c'est plus la survie en fait. Wingsuit! Ah, il me s'y fait mal. attends, on recommence. Ici normalement ça devrait passer. Wingsuit! Voilà! Ok, là c'est bon. C'est un stade de foot qu'il y a là? Un stade de foutre? C'est la méga forge le stade de foutre. Ah, attends, faut juste esquiver les troncs et on est tranquille, regarde. Hop! Oula! Peckham? Ah non, c'est pas un stade, c'est juste de l'eau pourrie. Hop. Voilà. Et impeccable. Regarde, atterrissage tranquille. Je me suis même pas fait mal. Bon, il est où, Sharky Bocha? Il est dans le coin? Il est méchant? Je suis vraiment... En fait, je me rends compte que je suis vraiment Kadok. Il y a des méchants. Ok. Mais il y a personne, en fait. Pourquoi il a un château et pourquoi il y a pas de méchants? Qu'est-ce que c'est que ce coin de merde? Sharky? C'est toi? Bonsoir? Ah oui, c'est funéraire. Ouais, on est d'accord, ouais. Mais ouais, ouais. Et mais du coup, du métal. Tu connais Carpenter Brut? Le bébé? Attends, il y a des trucs là. Il y a des trucs là, yes. Moi, j'aime bien Ghost aussi. T'en rentres pas. Ah, il y a des trucs là-bas aussi. Ah, yes. Je vais lui crocheter toute sa vie, mon gars. Je vais lui piquer sa femme. Yes. 17 barres de titane. Mon gars, on sait pas trop ce qu'il foutait avec, mais... Ok. Oula, il y a mon micro qui commence à... s'emberlificoter avec des margoulins, là. Ouais, c'est bon. Ça va, Sharky? Charlemagne Victor, il s'appelle. Mais c'est beaucoup trop classe, mec. Arrête de te faire appeler Sharky. Il s'appelle Charlemagne Victor. Mon petit pouce merde. Ouais, ok. Mais je vais te dire, il tient sacrément de son père. Il adore les proutes. Il ambiance fusillade. C'est plus radical que de le percer. Ouais, c'est funéral. Et moi, on est planqué là depuis que le gamin fait ses dents. Ça me brise le corps quand je le vois pleurer, ce pauvre petit gars. Enfin, bref, ces connards de ravageurs essaient de reprendre l'endroit tous les soirs depuis qu'on est là. Alors, bon. Mais c'est un... Non, c'est pas un vrai gamin, c'est ça, c'est un truc, c'est un genre d'animal, non, c'est pas ça. Je vais pas te mentir.
Depuis que le gamin fait ses dents, il a un nid. Je suis sûr que c'est un truc spécial, non? Sympa, aider une maman en détresse. Je veux dire, j'ai préparé des pièges avec des tuyaux à haute pression, mais il faut encore les armer. Je sais plus où donner de la tête avec Blade. Je voudrais juste souffler 5 minutes. Je sais pas, chier un coup et me raser sous les bras. Ouais, c'est funéral, ouais. C'est funéral. Babysitting sportif. Eh bah écoute, on va faire ça. Alors, du coup, faut activer des pièges. Très bien. Et franchement, je veux bien, quoi. Parce que ça a l'air d'être un vrai poteau, le Sharky, là. C'est dommage qu'on l'ait pas trop... Sharky, c'était pas le mec, justement, avec les lance-flammes et tout dans Far Cry 5? Je me souviens plus. Hop, ça, c'est bon. C'est, non, comment il s'appelle? Orcs and Men? Non, c'est quoi, déjà? Le jeu de Tower Defense, là. Il était pas mal, en plus. Un truc avec Orcs dedans. Non, merde. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas... Orcs Must Die, oui, c'est ça, Orcs Must Die. Il était sympa, Orcs Must Die. J'avais bien aimé, moi. Hop, je me suis pété la gueule. Sharky, je me suis pété la gueule. Charlemagne Victor. Ok, je vais te grimper la valve. Ta gueule, Facebook, là. Il y a 371 personnes qui aiment The Russian One qui n'ont pas eu de nouvelles depuis des semaines. Forcément, plus personne va sur Facebook. Je veux pas poster des trucs sur Facebook. Tout le monde s'en fout de Facebook. Ça intéresse plus personne, Facebook. Ok, let's go. J'ai quoi comme arme là? Ouais, ok. Peut-être que je... Non, attends. Automatique, voilà, c'est ça. Il faut que je foute mon flingue en automatique, je le préfère. Yes, voilà. C'est bon, j'ai tout. Oh putain, merci. Franchement, t'avais besoin d'aide pour faire ça, mec. T'as juste en train de boire. Les bites masquées. Je suis désolé, ça m'a tué. Eh bah tiens. Yes. Ouais, mais du coup, il est où mon verre, du coup? Ah non. Yes. J'aurais peut-être dû te prévenir. Ah ouais, notre mule, c'est de l'éthanol pour les bagnoles. Je crois que c'était marqué de l'éthanol pour les pougnoles, j'ai failli péter un plomb. Ok, go. Donc je suis mort, c'est ça le délire? Non, c'est bon. Ok. Tu m'as dit si ça te bute? Oh putain, mon cerveau de type 5 cyborg mégaborg. Ok. Hey, quelques heures plus tard. Ah oui, quand même. Et quelle heure là? La demi? Ah, je suis quand même resté KO 2 heures. Hein. Je suis dans le nid avec Blade. Putain, mais c'est beaucoup trop stylé. Moi aussi, si j'ai un gamin, je veux l'appeler Blade. Défendez le tuyau à pression, d'accord. Et bah, ça va se défendre avec la M60, hein. Ça va être plus simple. Oula, c'est quoi? Ça va être quoi? Ah ouais, d'accord, ouais. J'hallucine. Mais ils viennent un jour ou pas? Ouais, ça va se faire démonétiser de ouf, ça, mon gars. Oh là là là. Ouais. J'ai bien fait de pas t'avorter. En plus, les enculés, ils me tirent dessus au lieu de tirer sur les bidons. Quelle sale pute. Ok, c'est bon. Non, c'est bon, on gère. Bon, par contre, quand on monétisera les vidéos, on déconne plus avec ça, hein. Arrêtez de tirer sur mon bidon, bande de sales enculés, là. Non, mais ils sont beaucoup trop loin, en plus. Putain, pourquoi ils volent comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok.
I like it, that's the way, I like it, Pas de croire chez Mémé, ah t'inquiète. Mais c'est vrai que Mamie, ça fait un moment qu'on l'a pas vue en plus. Va falloir qu'on aille la retrouver après, hein. Elle doit nous manquer. Enfin, on doit lui manquer, je veux dire, elle a dû nous faire des croque-monsieur. Oh, j'espère qu'elle nous a fait des croque-monsieur. Non, mieux un hachis parmentier. Oh, j'espère que Mamie, elle nous a fait un hachis parmentier. Le hachis de Mamie, Putain, je vois que dalle en plus. Qu'est-ce que... Ouais, mais on voit que dalle. Non mais d'accord, Cimer, mais bon enculé quoi, on voit rien. Attends, je vais bouger parce que... Ah bah voilà. Attends, c'est la merde là, c'est la magie merde là. Est-ce que je peux avoir une mitrailleuse? Oui, merci. Ouais, mais c'est la magie merde là, forcément. Oh là 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 là. Oh putain, où? Ah bah, salut. Ok. Oh non mais attends, mais c'est grave la merde en fait cette mission. Je suis sûr que genre de jour ça pose pas trop de problèmes, mais là c'est vraiment la merde. Ah non, y'a vraiment un bruit de gamin en plus. Ok, il est vraiment bien ce flingue, il faut que j'utilise plus souvent. Ok, ça c'est bon, c'est fait. S'occuper de l'autre côté maintenant. Y'a des gens de l'autre côté? Non, y'a personne de l'autre côté. Ok. Ramasse les munitions. Comme ça. Ramasse les munitions. Comme ça. Oh putain, c'est relou comme tout. Regarde, on voit rien. Y'a de la fumée partout, on voit que deux. Ils sont où? Oh là là, oui, c'est la merde. Oh là là, oui. Ouh, le bordel. Attends, faut que je me concentre là. Faut que je sois super efficace là. Faut que j'aille en mode type 5 de ouf là. Ah, je vais cramer. C'est pas grave. La douleur n'est qu'une information. Qui pique, mais c'est qu'une information. On s'en bat les couilles. Ok, il commence à faire jour en plus. C'est toute la nuit ça a duré, sa connerie quoi. Bon, je suis resté KO à cause de l'alcool aussi, mais. Ok. Il y en a encore là, ok. En plus, je me suis fait niquer, on a perdu un truc quoi. C'est bon ? Ah, c'est vrai qu'il l'a dit qu'il défendait toute la nuit, c'est vrai. C'est vrai, The Snake. Ah, vous, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh merde, oh là là là. Recharge. You've been pacified. Vite. Pourquoi l'autre il a pété aussi vite par contre? Ah d'accord, évidemment c'est celui-là en plus que je dois défendre. Merde. Prends-le, allez. Cassez-vous bande de hippies. Hippies communistes en plus. Ok, c'est bon. Voilà. Donc il a vraiment un gamin, c'était pas une blague, c'était pas un petit nom pour quelque chose d'autre, il a vraiment un bébé quoi. Sharky Boshaw a fini par faire un bébé. Bah, après c'est toujours les plus cons qu'on les bébés les premiers, ça c'est clair hein, mais bon. Donc ça c'est bon, et bah voilà, on a tous les experts à Prosperity. Je sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs, des experts dans le jeu aussi, à part le petit Kleps. À mon avis c'est pas fini, à mon avis il y a encore plein de trucs à faire mais... Ce qui compte pour moi, c'est que tu te crois intelligent. Ça me dérange. Et c'est pour ça que quand je t'aurai chopé, je te ferai coup de la bouche pour que tu saches que t'es rien. T'es juste une merde. Je suis même pas impressionné. On me l'a déjà fait une fois et depuis, j'arrête pas de parler. Alors franchement, personne n'est impressionné. Hein. C'est quoi ça là-bas? Oh mes potes! Là, je les chasse à l'automatique. Ok, bon bah ça c'est fait, Sharky Brochard c'est fini. Donc on a récupéré la plupart des experts.
Et on peut normalement améliorer... oui, on peut bien l'améliorer en plus, la truc, là. Donc, ce qu'on va faire, on va améliorer... le laboratoire d'explosifs. Ainsi que... l'infirmerie. Le chien, c'est un spécialiste, pas un expert. Connard. Ouais, c'est ça, joue sur les mots. Tu vas voir ta gueule, toi. Tu vas voir ta gueule, toi. Qui est pas un expert. Ok, et bah voilà, regarde. J'ai pu améliorer littéralement le monde entier. Pas de problème. Franchement, les Sith, ils étaient plus intimidants que ça quand ils étaient vénères. Bah oui, parce qu'ils étaient plus calmes. Quand ils étaient vénères, c'était genre... bah tant pis pour ta gueule. Les Sith étaient quand même mieux écrits que les deux Gwyn. Hein. Je sais pas si elles sont Gwyn, elles sont juste sur jumelles, ça se trouve. Gina Guerra. Mission annexe. Ok, mais normalement, ma base, là... J'ai tout ce qu'il faut, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour améliorer prospérité au niveau 3. Ok, allez, let's go. Voyageons. Les radiations ont offert un utérus à Urk, du coup, Sharky en a profité. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse ce que tu racontes, là. Je sais pas ce que c'est ta fanfic, mais je veux vraiment pas la lire. Salut B44, ça va, poteau? T'as fini ton stream? Donc ça, c'est bon. Eh bah, écoute, déjà, on va aller recharger. J'aime pas, y'a des gamins partout, j'aime pas ça, putain. En plus, il y a des trucs à choper. Nice. Tac. Recharge les munitions. Ça nous compte combien ça, on a beaucoup trop de trucs. On a beaucoup trop de bobines de cuivre, là. Et niveau armes, qu'est-ce qu'on peut choper? Qu'est-ce qui vous dirait bien à tester, là? Parce qu'on n'a pas testé grand-chose depuis. Tiens, regarde, on a ça. C'est gratos. Non, c'est pas gratos. Ça, c'est gratos. Ça, c'est pas gratos non plus, mais... Enfin, en tout cas, je me suis compris. C'était très, très clair pour moi. L'AK? Tu veux l'AK? Celui-là, hein, la KMS optimisée. Je peux tester, hein. La MG42. On l'a, la MG42? On n'a pas la MG42 déjà, si? C'est dans le niveau 4, ça. Oh putain, le vieux M16. Et ça, c'est un modèle qui avait été fait pour les missions au Vietnam, non? Ça, c'était le M16, là, c'est pareil, c'est pas un truc qu'ils ont créé pour New Dawn. C'est un modèle qui était du coup disponible dans le DLC à la con, là, qu'ils ont fait pour le Vietnam. J'ai l'impression qu'il y a aucun nouvel asset, en fait. Fini de lancer de pelle, tu vois, parce que le MG42 Tromblon, là, il est, ouais, c'est que niveau 4. Et on peut pas encore le faire, on pourra le faire une fois qu'on aura amélioré Prosperity, mais pour l'instant, on peut pas. Attends, il y a Adwim qui tweet des trucs, là. Ah, oui, mais il vient même pas me voir, quoi. Putain, je suis trop triste. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, de toute façon, je m'en fous, il m'aime pas, de toute façon. Adwin, il me déteste. Il y a absolument rien de nouveau niveau arme. C'est vraiment super badant, par contre, quoi. Je trouve que le jeu est plutôt sympa, tu vois, il est plutôt bien fait, mais ça, c'est vraiment une marque de dégueulasserie, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on tente, du coup? Ça, ouais, bon... Ça, ouais. Ouais, la K47, on peut. Soit la K47, soit la M249. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous préférez? La K47 ou la M249? La K pour défourailler viteuf. Eh ben écoute, allez, AK. Allez, c'est parti. Kamaté. T'as compris? Parce que c'est un AK qu'il faut. Un K. Allez, hop. On prend ça, ce sera bien. Et je crois qu'on peut rien faire d'autre. Ah si, on peut faire le lance-flamme. Mais j'ai jamais réussi à aimer un lance-flamme, à aimer le lance-flamme dans les jeux vidéo. Vraiment, je connais pas un seul jeu vidéo qui a fait un lance-flamme bien, en fait. Tiens, on peut faire d'autres trucs. J'ai un vector déjà en plus. Parce que oui, j'avais activé du coup des DLC. Des DLC, pas des DLC, des... tu sais, les points Ubisoft. J'avais débloqué 2-3 trucs avec les points Ubisoft, dont ça. Et ça. Ah, mais je crois que je l'avais déjà montré au dernier stream, ça, remarque. Le Vector et le D2, là. C'est vrai qu'on a la M60 aussi. Bon, bref. De toute façon, je pense qu'on va rester avec les armes niveau 3 qui ont l'air complètement dévastatrices. Donc, voilà. Il faut recharger? Non, il n'y a pas besoin. Ça vaut rien, les Flamethrowers. Bah, à chaque fois, ici, il y a un seul jeu où ça vaut quelque chose. C'est dans Rising Storm de Vietnam. Ou pour le coup, c'est même complètement pété. Mais sinon, c'est vrai que ça vaut vraiment rien. Hein. Ça vaut vraiment que de... Comment... labo d'explosifs. Bah oui, mais c'est où que je l'ai créé, mes explosifs, moi? Ici? Attends, c'est quoi, ça?
Ta na 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 les nichons, ta na 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 les nichons, ta na 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 les nichons, ta na 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 les nichons. Fallout 76 moins Todd Award plus Ubisoft égale New Dawn. Oulala. Merci pour le sub, Mengor. Merci beaucoup pour le sub. Alors c'est très ballsy ce que tu dis. Hein. C'est très brave. Comment tu peux dire des choses aussi controversées mais à la fois aussi braves, Mengor? Ta na 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 les nichons, ta na 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 les nichons. Faudrait vraiment qu'on fasse ça aussi dans l'album. Tiens, je vais noter. J'ai noté dans l'album LMF, parce que oui, du coup, l'album LMF, il est toujours en préparation, vous inquiétez pas. Hein. J'ai commencé à faire le groundwork pour d'autres tracks. Et donc, la track de Skadur, son thème, les nichons, entre guillemets, je mets. Donc du coup, pour l'instant, il y a le Grand Corbeau Noir, Bois ton café, Sous le vent, J'aime sentir ta bouche et les nichons dans l'album LMF. Donc c'est pas mal. Pour l'instant, on a une bonne petite compile. Allez, let's go. On va améliorer ça niveau 3. Prosperity. Améliorer. Let's go. Vas-y, monte-nous un training montage avec des mecs qui construisent des trucs. Putain, c'est littéralement ce qu'ils font, mec. Ah, niveau 3 sur 3, d'accord. C'est le niveau maximum. D'accord. Bah, impec. Est-ce qu'il y a des trucs en plus, du coup? Il y a des arbres. Dehors, il y a des trucs en plus. Ah, j'arrive pas à me rendre compte qu'il y a des trucs en plus. Est-ce qu'ils ont mis des trucs... Putain, je suis en train de marcher sur les salades. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien en plus, en fait. Si tu subis un second assaut, je pète un câble. Mec, est-ce que le thème jab de Spider-Man en métal, il passerait ou serait chiant à faire? Kiwi wanase, Kimi wanase... Non, franchement, ça pourrait vraiment passer. Ça pourrait vraiment passer. Ça va? Il a vraiment quand même une sale gueule, le pot. Regarde-le, il a l'air trop paumé. Du coup, qu'est-ce qu'on a au niveau des quêtes? Promenade dans la grâce, très bien, on a des missions annexes qu'on peut prendre dès maintenant. C'est un petit problème à base de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne, c'est que j'ai trouvé Gina, la maman de Blade, l'âme sœur de Hurk. La mauvaise, c'est que les ravageurs l'ont enlevée et qu'ils la forcent à participer au derby des prisonniers. C'est leur façon à eux... Au derby des prisonniers ? Et le vainqueur regagne sa liberté. Le seul problème, c'est que c'est complètement truqué. Personne gagne jamais et tout le monde meurt dans d'atroces souffrances. Ouais, faut croire qu'ils lui en veulent encore de nous avoir donné le bébé, plutôt qu'à eux. Sous leur casque à la con, ils adorent les bambins et franchement, je les comprends. Enfin, bref, faudrait que de quoi que Gina gagne et qu'elle reste en vie, parce que c'est la maman de Blade et que notre famille, c'est sacré, ok? Et puis aussi, je sais pas si t'as déjà vu Hurk quand il est triste. Mais c'est moche, il se transforme en gros tas de morve et j'ai pas besoin d'un deuxième bébé sur les bras. Alors, pitié, je t'en prie. Ok, d'accord. Gina, joue les snipers avec tous les connards qui s'approcheront d'elle. C'est littéralement un Thunderdome, sa description. Bah oui, carrément, ouais, c'est pour le coup carrément un Thunderdome. Et du coup, il y a aussi Spider qui aimerait qu'on fasse les expéditions. Alors, on va faire une petite expédition avec notre ami Roger. Oh putain, difficulté 3 étoiles, ah ouais, quand même. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes... Je pense que vous êtes pas tous prêts, mais c'est parti, mon gars. Allez, let's go. Enchante-moi, Roger. Alors écoute, il paraît que les ravageurs s'agitent pas mal dans un parc d'attractions au sud. En plein bayou. Ah. Et dire une chose, ils font pas du manège en hurlant puis en riant à plein poumon, ces trous de cul-là. Non, ils cherchent des trucs pour se renforcer. Puis c'est pour ça qu'on doit y aller. Mais attention, les ravageurs ont déjà la zone bien en main. Alors il va falloir être super prudent, ok? Allez, c'est parti. Dis-moi quand tu veux y aller. Ah, j'adore ce mec. J'adore ce mec. Il fait tout le jeu. Ah, j'avais pas vu que c'était marqué grosse patate. Mais c'est le nom de son hélico. Mais je crois qu'il... Non, je sais, il y a beaucoup de trucs dans le jeu qui sont, je crois, traduits même jusque dans les assets. Alors ça se trouve, en VO, il donne un autre nom. Mais là, il l'appelle grosse patate. Je sais pas s'il est québécois en VO aussi, faudrait voir. Enfin, je sais pas s'il parle québécois, je veux dire, parce qu'à mon avis, il est québécois, enfin canadien, même en VO. Mais je sais pas. Alors, donc, journal, expédition, d'accord, donc c'est celle-là qu'il faut faire. Et du coup, Spider, est-ce qu'il faut que je fasse toutes les expéditions niveau 1 ou il faut que je les fasse en niveau 2 aussi? Ah, en VO aussi, il dit grosse patate. Ah, c'est le même doubleur en VO. Mais c'est génial. Mec, c'est super. Il parle en anglais avec des mots québécois, mais c'est super. Oh, c'est génial, faudrait que j'aille écouter en VO, putain. Comme avec Vaas. Exact, comme avec Vaas, ouais.
Et du coup, oui, Spider, est-ce qu'il faut que je les fasse que au niveau 1, les expéditions, jusqu'à la 5, ou il faut que je les fasse aussi niveau 2? Parce que tu m'as laissé en plan. Je sais pas trop, je suis un peu paumé, quoi. Faut juste attendre la 5ème, donc celle-ci et la prochaine, et on aura la bonne. D'accord, et bah écoute, let's go, hein. C'est parti. Je suis chaud. Mec, en VO, il parle avec un accent FR. Attends, on va foutre sur pause juste après, j'ai envie d'entendre ça quand même. Faut vraiment que j'entende ça. J'ai un besoin naturel nécessaire de voir ça, comme dirait Platon. Quand j'étais sous psy. J'adore. Ok, voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est la K47, ok. D'accord, j'ai tout ce qu'il faut là. AK-47, AJM, Lancy et Arc. Ok, je suis tranquille. Alors, voyons voir. Fais voir comment il parle. Sorry about your people, Captain. At least you ended up in the best place Hope County has to offer. Trust me, I've seen the rest. Ah ouais, il a quand même un super gros accent français, hein. Scored some really cool stuff. But ever since those Carlys the twins showed up. Ever since those Carlys the twins. Oh, c'est génial. We'll go rip off highwaymen. If you can find me the fuel I need, we'll go rip off highwaymen. Attends, est-ce qu'il parle de sa grosse patate? It won't be easy, but trust me, it's worth the risk. Get me that ethanol, and you'll see what I'm talking. Attends, il parle pas de sa grosse patate? Personal pilot. Seriously, anytime you need a lift back to prosperity, you can count on me. It's the least I can do for you, my friend. Non, il... Those Carlys the twins. Ouais, non, bon, c'est pas, on verra plus tard. Mais oui, il a quand même un gros accent français, c'est génial, c'est super. Donc, attends, avant ça, quand même, on va. Mais elle est où, mamie? Oh putain, j'ai pas amené mamie! Oh le con! Attends. Bon, tant pis, on va faire sans mamie. De toute façon, mamie a niqué un petit peu le principe du truc, c'était un peu facile. La map, elle est assez ouf par contre là. Oh la vache! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est vrai que j'ai plusieurs modes de tir, moi. Là, j'ai même les flèches enflammées et tout. Ok, il va falloir que j'utilise ça plus tard. Alors, où est-ce qu'ils sont, ces trous de cul? Callis, Callis de Twins. Ok, voyons voir. Chat. J'y ai pas cru. Honnêtement, j'y ai pas cru à mon saut, là. Encore un. Chou. Ok, impeccable. Callis. Tabarnak. Ça me met en crise. So. C'est le. Ok. 20,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Y'a personne? Y'a personne en fait dans leur. Dans... Ah si. Ah si, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, c'est niveau 1, je peux y aller en bourrinant. Hein. Honnêtement, ça pose pas trop de problème. Mais c'est con que j'ai pas amené mamie. J'ai oublié mamie à l'aéroport. Chut, tranquillou. Là, je pourrais faire un goof et foutre la chanson de MGS1, mais j'ai un peu la flemme. Oh, il y a des nichons. On voit les nichons en X-ray, mec. Merde. Oula, elle t'y pose, elle t'y pose, elle t'y pose, elle t'y pose, elle t'y pose. Ouais, mais là, t'as vraiment cherché la merde, quoi. Mec, il se passe des trucs vraiment ouf dans ce jeu. Attends, parce que lui, il va me casser les couilles aussi, là. Et ils écoutent encore du The Antwoord, parce que c'était pas évident qu'ils étaient trop ouf et wacky. Hop là, impeccable. J'ai eu beaucoup de bol là-dessus. Ok. Oui, j'y ai mis un gros coup dans le cul, ça, pour le coup. Il y avait un coup, je crois, dans Oblivion qui s'appelle... dans Oblivion, dans Dofus, je crois, qu'il s'appelait coup dans le cul, non? K-O-U-D-A-N-L-K-U, il me semble.
Ça me rappelle un truc. Putain, je vais le niquer lui. Au loin, là, avec ma petite flèche. Flèche dans le cul! Merde. Merde. Coupe la musique! Tu vas me niquer la batterie! Ils sont où? Ils sont où les autres? Non, personne n'a tilté? Oh putain, ils sont pas rapides les mecs, hein. C'est des lents, hein. Ah, non. Si. Ah bah non. Non, non, ils m'ont pas tilté. Ils m'ont toujours pas tilté. Bah écoute, impeccable. Olivier! Oblique à la batterie! Ouh là, ouh! Arrête, ça fait mal. Pff, c'est chiant la portée là-dessus, hein. Ok, où est-ce qu'il est? Ok, on peut sortir la AK-47 maintenant, c'est fini. C'est fini à discrétion. Ok, elle est vraiment bien la AK-47. Allez, on se casse. Ouh, en plus, il fait un petit rechargement tactique là, en enlevant un chargeur avec un autre chargeur. C'est pas du tout. C'est pas du tout, comment on dit, réglementaire, mais bon, c'est tactical. Et ça compte. Le tactical, c'est très important dans une situation. Ah, il y a une petite ouverture. Nice. Tu m'as cassé des décibels, fais claquer un coup, hein. Olivier! Olivier, batterie! Ok, il se casse. GPS du colis a été activé, c'est pas grave, on va se démerder sans. Ça te dit de défoncer l'autre mission expédition jusqu'à arriver à la 5ème. Ouais, on va faire ça, t'inquiète pas, on va faire l'autre tout de suite après, hein. T'inquiète. T'inquiète, mon petit Roger. Ça va bien se passer, calé, je vais pas me faire emmerder par les niaiseux. T'as pas l'ouette? Ça me met en clisse. Allez, go. Une minute 30 à tenir. Aucun problème. Maudit. Non, c'est bon, y'a personne? Ah bah si. Ça va? Ouf. Bip, bip. Voilà. En plus, ils nous ont mis une petite chanson de trance là, mon gars. Party like it's 1999. J'ai lancé. Je sais pas ce que j'ai lancé. Je crois que j'ai lancé un bout de viande. Oui, j'ai lancé un bout de viande. Attends, je vais changer de. Comment. Voilà. Ça. Ouais, je préfère une dynamite, ouais. On va tous s'éclater parce que sinon ça va revenir me mordre dans le cul, comme on dit en anglais. Aïe. Il te tarasse. Putain, par contre, j'ai plus de balles. Peut-être que je prenne un perk pour augmenter mes munitions de fusil d'assaut parce que là c'est pas top. Ow. Loser. 30 secondes. Ouh. Ah bah j'ai eu des munitions. Comment j'ai eu des munitions moi? J'en avais pas tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Hop, Nick Taras. Il est où? Il est là. Ok. C'est bon, je suis chaud là. Je suis chaud. Aussi ta gueule. Je les ai eu? Je sais pas si je les ai eu. Hein? On voit que dalle. Non, je crois que je les ai pas eu. On se pose d'ici. Ouh là! Excuse-moi madame. J'ai pas le temps madame. Non, je refuse vos. Je n'ai que faire de vos produits. Casse-toi là. Allez, on passe à travers les pales. Ouh. Aïe aïe. Oui bah je sais, j'arrive. Roger, calme-toi. On se détend Roger, hein. Voilà. Allez tous niquer vos mères, on est tranquille maintenant. Génial, Esti. Ça me chatouille dans le bout du ventre. Bien joué, mon ami. Maintenant, on rentre. Ça me chatouille dans le bas du ventre. J'adore ce mec. Tu t'es fait 5 points de compétence. Ouais, mais en fait, tu les chopes beaucoup trop vite, les points de compétence. Dans le jeu. Là, limite, je crois que j'ai assez pour être max out, là. On va voir ça tout de suite. Je vais aller dans les comps et on va s'augmenter ça tout de suite. Mais ouais, j'ai quasiment tout rempli là. En plus, vu qu'on a passé Prosperity au niveau 3, je vais pouvoir faire des exécutions sur les élites. Et ça va être niqué. Ça va être niqué. Tabarnak. Où est-ce que c'est? C'est là. Oh, c'est ça que je voulais. Voilà, 10 points en plus, on est large. Approvisionner army, rechargez votre fusil sniper. Nanana, ouais. À couvert, ça, on s'en bat un peu les couilles. Dextérité, ça, c'est pour les alarmes. Ouais, non. Non, on s'en fout de ça. Chalumeau, c'est pareil. Fan de la nature, fan de pute. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on prend, improvisionner armé ou fan de la nature.
On va reprendre ça, allez hop. Tiens, j'avais pas vu qu'on peut acheter des points de talent aussi. Oh, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Putain, c'est vraiment dégueulasse. T'es vraiment dégueulasse, Guillemot. Hein. J'espère que tu m'écoutes. Je sais où t'habites, je sais où t'es. T'es de Carantoire. Il y a une très belle ferme du monde à Carantoire avec des très jolis animaux. Il y a même des biquettes et tout, tu peux les tenir, c'est super. Mais t'es vraiment un connard. Ouais, j'aime bien les biquettes. Bon, je pense qu'il faut qu'on prenne ça après. Parfois, on a autant besoin de découper des légumes que de chasser à très grande distance. De quoi? C'est quoi cette description de merde? Oh, ça me fait rire en plus, ça me fait rire, moi, les conneries. Est-ce qu'on prend le calibre 50, là? Ça pourrait être pas mal, non? Je sais pas. Et en plus, on a assez pour. Ou alors, est-ce qu'on attend d'être niveau 4? Est-ce qu'on peut l'améliorer, déjà? Attends. Est-ce qu'on peut améliorer l'armurerie niveau 4? Niveau 3, je veux dire. Ah, c'est... Hey, mec, c'est dans pas trop longtemps, hein. On peut améliorer les perks qui rajoutent des munitions pour 4 points, je crois. Attends, on peut améliorer les perks? Putain, j'avais pas vu. Oh, l'abruti. Oh, l'abruti, j'avais pas vu qu'on pouvait améliorer les perks. Oh, le con. Mais quel con. Oui, je suis bientôt max out. Il est vraiment court, le jeu. Gogo. Putain. Merci, Kaidan. Je suis tellement con que j'avais même pas vu qu'on pouvait upgrade plusieurs fois la même compétence. L'abruti, quoi. Vraiment le vrai trou du cul. La façon dont tu bosses, ça m'a fait penser à quelque chose. Tu sais ce qu'on dit, que les gens se chient dessus quand ils meurent? Avec les ravageurs, c'est tout l'inverse. Ils te voient, direct, ils chient dessus, puis ensuite, ils meurent. C'est tellement beau. Je suis sûr qu'il s'est vraiment marré, Roger, quand il a dit ça dans son micro, là. Tu vois ce que je veux dire? Alors, écoute ça. Écoute ça. Une surprise pour toi. Alcatraz. Les ravageurs, ils prennent tout ce qu'ils peuvent trouver. C'est toute une opération. Alcatraz, carrément? Et ça, tu vois, ça veut dire que l'opération, on arrête les conneries et l'entrée. Il y a bien une chose que j'ai apprise dans les films, c'est qu'il y a toujours une entrée puis une sortie dans une prison, pas vrai? Ok, bon, pour l'instant, je vais juste, parce que j'ai oublié, en fait, de faire le truc que j'ai dit que j'allais faire il y a littéralement 25 secondes, c'est de faire le fusil sniper, même si j'en aurais pas forcément besoin là tout de suite, étant donné qu'on va aller, j'imagine que Alcatraz, c'est un niveau fermé. On va remplacer ça, ouais. On va remplacer ça. Tac. Ok. Je sais pas. Est-ce qu'on prend le lance-ci ou l'arc? Parce que l'arc, vous avez vu qu'il est très 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 utile. Ouais, écoute, on va partir sur ça. Maintenant, pour l'instant, on s'en va un peu les couilles. Alors, Alcatraz, c'est parti. On prend Mamie. Oh merde, putain, j'ai oublié Mamie. J'ai oublié Cheb Mamie. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime à la folie. Non, c'est pas ça, Cheb Mamie. C'est... Qu'est-ce qu'elle chante, Cheb Mamie, déjà? Cheb Mamie, qu'est-ce qu'il chante? Aoulou. Il chante un truc qui s'appelle Aoulou. C'est trop bien. Ouais, d'accord. Ouais, il chante ce à quoi je m'attendais, en fait. Mais je crois qu'on en connaît pas de Cheb Mamie. Cheb Mamie, c'est celui qui a fait avorter sa femme de force en lui tapant dessus. De quoi? Putain, en plus, il est hardcore, le mec. Il aurait dû faire du black. Là, il fait du beurre. Oui, bon, elle était pas top, mais tant pis. Allez, let's go. Qu'est-ce que j'ai comme arme silencieuse, là? J'ai ça. Donc, il y a que mon calibre 50, en fait, qui est silencieux. Je crois que le lance-ci est pas le silencieux. Je sais même pas d'ailleurs, je sais même pas si le lance-ci il est stealth. Ok. Donc c'est l'avant-dernière mission avant la fameuse mission. Comment, clin d'œil, la fameuse mission Easter Egg de Spider. Il me fait chier avec ça depuis 3 streams. Il a fait une chanson avec Sting. Non, sérieux. C'est Sting qui lui a appris à faire des massages tantriques et tout là où le mec il peut niquer pendant 3h30 et il jouit pendant une demi-heure. Je sais pas quoi, j'ai pas trop compris.
Mais Sting, il fait des trucs chelous aussi, alors j'y peux rien. Les chanteurs de Rai, ils font des hardos avec des chambres d'hôtel, mais sur leur nana, en fait. Et non, ils font comme les hardos avec des chambres d'hôtel, mais sur leur nana. Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont encore plus vénères, en fait, que le reste. C'est comme dans Metalocalypse, quand ils vont en Amérique pour apprendre le hardcore du blues. Et qu'en fait, ils se rendent compte que les bluesmen, ils avaient tous des vies, mais complètement vénères. Y'a personne ? Où est-ce qu'ils sont, ces cons ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai mis des munitions explosives ? Je crois que j'ai mis des munitions explosives. Ça va me plaire, tout ça. Alors. Ici, rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ces maps, en fait ? Pourquoi elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'il y a de vrai ? Y'a rien, ils sont tous à l'intérieur, c'est ça ? Ah, y'en a un, là. Attends, je vais lui mettre une petite balouse, histoire de... Pour voir s'il marche bien. Attends, non, pas incendiaire. Putain. Non, voilà, je veux celle-là. Putain, c'est lent, hein. Vache. Ça sent la map multi-recyclée. Ouais, c'est ça, hein. Ok, bah c'est pas mal du tout. J'ai mis en plus... Est-ce que t'entends le bruit quand on change de... comment on dit... de grossissement. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a une espèce de valve à rouge, là, à droite. Et quand on appuie... Fais un vieux... Ok, go. Du coup, le package, il doit être à l'intérieur. Et dans le coin, là-bas. Eh, hey, tu peux appeler tes potes, hein. Y'a pas de problème, hein. Moi, ça me pose aucun souci que t'appelles tes copains, mec, hein. Tu peux y aller, hein. Vas-y, gueule. Gueule. Voilà, ça, c'est bien, ça. T'as bien gueulé, là. Impeccable. Ça, c'est une tactique de Bosch, hein. Honnêtement. Merde. Impeccable. Bah, il a pas pris. Est-ce que tu peux prendre ta balle quand même, espèce de sale fils de pute? Voilà, bon tant pis. Allez, c'est parti. On va prendre la K-47 et puis on va tout clean, ça va être tranquille. Oh, des cocktails Molotov en plus. Ah non, mais c'est un vrai cadeau ce coin là. Hop, hop, hop. La tactique de Predator. Waouh. Ah, il me tire dessus en l'air et tout. Ok, ok, attends, c'est où? Ça m'a tiré dessus là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Tu sens une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Eh les gars, attendez-moi. Merde, je suis en train d'utiliser des munitions explosives. Peut-être pour ça que j'avais plus de munitions tout à l'heure, c'est parce que j'utilisais des munitions explosives au lieu de munitions classiques. Elles font pas moins mal en tout cas. L'autre il a un bouclier, il arrive de dos, normal. Le mec il a tout compris à son boulot. Attends, bouge pas. T'as tué mon bonhomme. Ouf. Il est vénère la JM en fait. Je vais prendre ça. Par contre, où il est le package là? D'accord. J'ai... C'est pas ça. Loupé. Oh merde. Je sais pas du tout où est le package en fait. T'as tué mon banane. Ah, il est dans quoi? Allô? Ah, ici? Oh, oh. Putain, je me suis fait chier dessus. Putain, quelle journée de merde. Allez, ouvre, je t'en supplie, c'est trop long. C'est trop long. Alors ça, mon gars, c'était clutch de ouf. Est-ce que c'est au-dessus? Non, c'est pas au-dessus. La moufette de ses morts, exact. En plus, comme j'ai foutu mon casque sur une seule oreille, j'arrive pas bien à savoir, genre, de manière 3D. Où est-ce qu'il est, le putain de package? Il est où? Il est dans le coin, là? Aidez-moi, vous savez, vous. En plus, ça va arriver à l'infini, là. Hop, ta gueule. C'est pas la grosse caisse avec le gaz dessus. Non, non, ça, c'est juste pour nous montrer vers où il est, en fait. Mais il est pas vraiment là. Oula, pardon madame. Attends, faut que j'arrête de les buter pour rien là, ça sert à rien ce que je fais là. Où est-ce qu'il est ce con package, merde? Aidez-moi les mecs. Si, de toute façon si je meurs, je dis que c'est de votre faute, je m'en fous moi. Moi y a rien qui me rejaillira dessus hein. Là. Oh, ça sert encore une caisse à la con ça.
Ça j'entends. Oh, oh, elle est là, 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 elle est là. Et merde. Là. Yes. J'ai. C'est je sais quoi. Elle est là. Tout tout loup. Salut. C'est un niveau 2 ça. Impeccable. Je suis moins prédateur pour le coup, hein, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, le prédateur il est plus. Ouh, ouah, ouh. Ça m'a surpris. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a un autre côté de la map, c'est parce que c'est un. Oui, c'est le quai en fait de la fin de la mission, d'accord, ok, je vois. Je vois. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, tabarnak. Ok, bon, j'ai l'impression que je perds pas mal d'images. Et OBS me dit que c'est à cause de mon réseau, donc il y a encore ma connexion qui chie dans la colle. Alors vraiment, il va falloir que je passe chez Orange beaucoup plus vite que ça. Que je vous fasse des streams, mon gars, mais qui seront en 4K Ultra HD. Dans la mort. Nick, voilà, merci. C'est qui me tire dessus, là. Il y a des tirs malingres. J'ai entendu des tirs malingres. Ah, c'est toi, là-bas. Nick ta grosse race. Je vais le clutch, le coin, mon gars. Franchement, j'ai pas vu quand ça bloquait, si ça a bloqué. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est une image de temps en temps. Parce que là, j'ai perdu 517 images. T'imagines ? 517 ! Oh, c'est infime, hein, mais... C'est 0,2% de mon stream. C'est que dalle, hein, mais il y a eu des moments, du coup, où ça a quand même merdé, tu vois. Et je sais pas si ça vient, genre, juste de ma connexion, ou si c'est parce que, tu sais, Uplay upload pas mal d'infos au fur et à mesure que tu joues. Donc, ça se trouve, ça vient de ça aussi. Est-ce que je peux... Voilà. T'as beaucoup de chance dans ta vie, toi. T'as beaucoup de chance dans ta vie. Ouh. Toi aussi, t'as beaucoup de chance. 50 secondes. On est bien, t'inquiète pas, tranquille. C'est sa gueule, ouais, c'est le bon moment pour gueuler à découvert. C'est vraiment con, c'est sauvage. Ok. C'était sûrement très exactement en même temps qu'on clignait les yeux. Ah oui, ça c'est possible. C'est possible, c'est un genre de défense naturelle anti-lag qui vous fait fermer les yeux pile au moment où ça lag un petit peu. Ça c'est un super pouvoir de merde mais que j'aimerais bien avoir. Ouh. Merci Datmiaou. Merci pour le resub mec, ça fait super plaisir. Et tu vois cette fois-ci j'ai bien entendu. Hier j'entendais pas les alertes mais là j'ai bien entendu. Allez. Merci Datmiaou mec. Combien? 2 mois. Ouh, t'as un petit genou hein. T'es encore tout propre. T'inquiète, ça va venir. On va te salir, Datmiaou. On va te souiller. Les cartes sont grandes, mais quand tu fais le niveau 2 et 3, le paquet change de place et il n'y a plus d'ennemis, j'ai l'impression. D'accord, il y a plus d'ennemis, je veux dire. Ok. Impeccable. Bon, et bah écoute, ça s'est passé sans encombre. Je suis pas trop fan de l'AK-47 parce qu'il y a une lunette dessus et je supporte pas les lunettes sur un fusil d'assaut. J'aime bien les lunettes holographiques, enfin les mirrors holographiques, j'aime bien les red dots, mais je supporte pas les lunettes et là ça me saoule. Donc je vais changer, je vais prendre autre chose et le sniper est pas trop mal, mais bon, on va voir ça tout de suite. Tiens, on a gagné quelques ressources, des ressources, et on va voir ce qu'on peut faire. Parce que ouais, je suis pas fan, pour l'instant je suis pas fan. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pense que je vais prendre ça. Parce que c'est pas vraiment... 125 de dégâts! Celui-là, en fait... Putain, mais il est ultra vénère, le MP5 SD! Tiens, on va faire ça. Oublie pas, mamie. Ouais, t'inquiète. J'oublie pas, mamie. Merci, merci à Faiso. À Faiso? À Faiso ou à Faiso? D'ailleurs, corrige-moi dès maintenant, histoire que j'ai pas trop l'air d'un con quand je prononce ton pseudo plus tard. Donc ça c'est bon, et puis on va refoutre l'arc, parce que j'adore vraiment l'arc. Il est vraiment génial cet arc, voilà. Là on est bien, on a un petit stuff un peu d'infiltration, mais pas à l'italienne. A Faiso donc, a Faiso, a Faiso, a Faiso, a Faiso. J'ai l'air d'un gros taré tout seul. A Faiso, d'accord, a Faiso. Eh ben écoute, je prends. Allez Roger. J'ai toujours le sourire quand je te vois. Sérieusement, t'es toujours d'humeur pour aller faire chier les ravageurs. Et non, est-ce que tu serais pas en train de tomber amoureux, mon petit Roger? J'adore ça. C'est quoi? Dans la catégorie, il y a toujours du boulot. Écoute un peu ça. Il y a un énorme avion militaire qui a dû s'écraser à l'époque où les bombes sont tombées. Et ça, c'est franchement cool. C'est des trucs high-tech, un peu comme le matériel des espions du gouvernement.
Enfin bref, il devait être rempli de choses pas pires parce que les ravageurs se sont jetés dessus comme des vautours. Alors toi puis moi, on va vautourer les vautours et on les va crever de faim. Allez, c'est parti. Ok. Le cul, là, d'accord. Je crinquais. C'est quoi? Attends, je connaissais pas ça. Crinquer. Ok, je suis crinqué. Eh ben écoute, on va crinquer tous les deux. Tu veux, on se fait un petit coup de crink? Alors attends, déjà mamie. Mamie, elle est où, mamie? Mamie, elle est là, mamie. Voilà, et on va aller crinquer. C'est où? Dans des stas? Ah non, j'ai pas encore pris, c'est ça? Tu m'as pas donné? Voilà, tu m'as pas donné. Ok. Dis rien, ta gueule. Oula. Si je reconnais pas, vous allez avoir la haine, c'est ça? Épave d'avion gouvernemental. Je sais pas si je suis censé reconnaître tout de suite, mais on verra. C'est quoi? Extension Migration. Il y a un truc avec Twitch Dev. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Je reçois des mails en plein milieu de stream qui me disent qu'il y a des trucs qui vont changer. Attends, bouge pas. Twitch, ouais. Ok, on s'en fout. Ça nous concerne pas, on s'en fout. Faudra aller dans la plus grosse partie de l'avion. D'accord, ok. J'espère que je vais reconnaître l'easter egg rapidement, parce que sinon ça va être à la honte un peu. Est-ce que c'est la dernière mission? C'est la dernière mission d'expédition ou pas? Prends pas le package direct. Ok, d'accord. Bon, on va se balader un petit peu avant. Let's go. Alors, j'aime bien l'environnement en tout cas. Il y a vraiment des belles maps sur le truc. C'est dommage que le jeu soit flemmard, parce qu'il y a vraiment des jolies maps, quoi. Il y a des trucs qui méritent de l'attention, tu vois. Ouah, ils écoutent du rock. Ok. Tiens déjà, mamie, nique-moi ça. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est que... Tire-le dessus. Maintenant, mamie. Oula. Sympa, l'aimbot. Super, l'aimbot, mamie. Ok, allez, go. Non, c'est pas ça. C'est comment, ça? Voilà. Il reste deux missions, d'accord. Donc, il y a 7 missions d'expédition en tout. Je note. Je note assidûment. Ouais, mamie, elle commence à choper Parkinson, c'est pas bon ça. Donc il faut que je rentre dans l'avion. Hop, impeccable. C'est quoi? Oula. Ok. C'est quoi qui me voit? Ouh, j'ai failli me faire niquer. C'est là qu'il faut que je vois un truc? Non, c'est pas la plus grosse partie de l'avion, c'est l'autre côté peut-être? Faut que je trouve un PC dans l'avion avec un écran mural. Ok. Ou une grosse table du PC. Mais c'est pas ici, c'est pas dans cette partie-là, c'est dans l'autre moitié de l'avion, non? Je crois qu'il doit y avoir une autre moitié quelque part, non? C'est là-bas, non? Ouais, il y a une autre partie là-bas. On va aller voir là-bas. Elle est où, mamie, là? Qu'est-ce qu'elle fout, mamie? Reviens, mamie, qu'est-ce que tu fais? Je vais marcher à tes côtés. Non. Comment on fait pour... Merde, putain, je me suis soigné, c'est pas ça que je voulais faire. Mamie, reviens. Je vais marcher à tes côtés, mais j'espère que c'est ça, parce que là, je crois que je l'ai envoyé sur Saturne, en fait, la vieille. Et mon gars, elle se démonte pas, en effet, d'accord. Ok. Je sais pas s'il y aura des ennemis ici. Vu que le package est pas là. Si, ouais, y'en a. Mais ça va, y'a des ressources à prendre aussi, du coup c'est cool. Oula, d'accord, non. Chut. Ok. Alors. Est-ce que c'est dans le coin? Est-ce que c'est dans le coin là? Oh. Bonsoir. Enchanté. Ouais, c'est juste endormi paisiblement, ça va. C'est quoi ça? Oh là, oh! C'est... Mais attends, c'est... C'est pas Blacklist, ça? Non, c'est quoi? Si, c'est Blacklist, non? Oh non! Putain! Mec, t'as... Oh putain, on a fait 4 expéditions pour une référence à Blacklist! Mais non, putain! Oh non, le bad ultime! Maintenant, l'étage. Ok. Va à l'étage. Ok. Non, pas là. L'étage à l'intérieur, j'imagine.
Au moins, ça fera plaisir à Yadar. Non, mais personne aime Blacklist. Les seuls gens qui aiment Blacklist, ils font semblant pour pas trop gêner Ubisoft, mais... Ok, là. Oui, parce que c'est... Putain. Putain, non, quoi. Mais non. Non. Non, ils ont fait ça, quand même. Oh la vache, elle est cool. Elle est cool, la truc. Fisher est dans la nature, j'ai entendu un truc. Pourvu que ce soit pas lui, Fisher tenterait pas le coup, hein. Ce serait de la démence. Fisher. Oh là là. Oh putain. Oh là là, d'accord, ok. Bon, si, c'est pas mal. C'est pas mal, non, j'avoue, c'est pas mal. Mais bon. Ça reste Blacklist, quoi. Ça reste Blacklist, quoi. Bon, allez, on y va. Non, mais si, c'est cool, c'est un petit easter egg sympathique. En plus, ce qui est cool, c'est qu'ils ont pas montré, que le déguisement était là dans la liste. Du coup, c'est vraiment une surprise. Tu peux vraiment avoir des déguisements en plus. La référence naze à Metal Gear. Ah, c'était ça, le Fisher, tu crois? Fisher. Tout. Tu crois que c'était ça? Si c'était ça, c'est badant un peu, hein. Trop bien, Star Wars. Non, mais ça se trouve, il a raison, c'est ça. C'est une petite blague, quoi. Ok, c'est où? Vite, c'est où l'extraction? C'est où l'extraction, tabarnak? Au sud-est. Mais je perds du temps, ils mettent du temps à m'expliquer où c'est. Ok, là-bas. Bisous, B44. Merci de passer, man. Bon, bah, écoute, on est Sam Fisher pour un moment. Ah, moi, ce truc qui fait aucun sens. Y'a rien qui va. Oh là là, regarde-moi ça. Oh, il était mieux en Rex Power Cold quand même. Hein. Allez, je vais lui remettre Rex Power Cold. J'aime beaucoup Sam Fisher. Hein. Ne prenez pas ce que je dis pour une offense, mais je préfère quand même de loin Rex Power Cold. Ah, mais je l'ai pas en entier. C'est vrai qu'il me manque l'œil. Il me manque l'œil, mais je m'en fous. Tiens, tu sais quoi, regarde. On va foutre ça comme ça, le haut de Rex Power Colt, la main de Rex Power Colt, mais la tête de Sam Fisher, mon gars. Yes. Voilà. Impeccable. Ah la vache, la gueule de terroriste. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre à la place? Chasseur de l'ombre. Ouais, ok, ouais, c'est mignon. Rat des ruelles. Singe de l'espace, d'accord, très bien. Force spatiale échouée. C'est pas une petite blague sur Trump, ça, non? Gorille démon, loup de l'ombre, petit côté Watch Dogs. Singe combattant, chevalier. La provenance de cette armure est discutable, mais question protection et esthétique, elle est nickel. Ok. D'accord. Eh bah écoute. Allez, on va se remettre en Rex Power Colt. Let's go. Depuis Wildlands, il y a des refs à MGS quand Fisher demande où est passé l'autre espion avec son bandeau et la meuf lui répond qu'il est retraité maintenant. Et que, oui, et que Fisher commence à bader, justement. Parce que c'est son grand ennemi de toujours, en fait, quelque part. Ouais. Singe et force de l'espace, c'est pas plutôt la planète des singes, les deux? Bah, je sais pas, le nom de la force de l'espace, c'est Failed Space Force, donc... ça se trouve... le casque de moto, c'est pas une ref à Trials? Si, c'est possible aussi, ouais. Ça, c'est très possible, ouais. Un Renault en Kigurumi, c'est pas ouf. Quoi, t'aimes pas Pikachu? Ok, go. Ouh la vache! Fishing for Gators! Évidemment, la seule map en extérieur, j'ai que des armes à courte portée. S'il te plaît. Réfléchis un peu à ce que tu fais là. Oh non, y'a que du semi! Oh non, y'a pas d'automatique! Oh, j'aime pas les fusils d'assaut et les mitraillettes qui ont pas de mode automatique, putain! C'est pas agréable. Ça commence à me faire crisser, là. Tiens. Dans ta gueule. J'ai une calibre 50, vous feriez mieux de pas approcher, les gars. Franchement, je dis ça pour vous. Vous avez de la chance que je vois que dalle. Vous avez de la chance que je vais crever, putain. Aïe, aïe, aïe. Pas l'automatique sur quoi? Bah, sur ça?
Y'a pas? Y'a que semi-rafale. Ah non, si! Ah si, c'est bon! Je me suis gouré. Je me suis gouré de touche, c'est moi qui suis con, c'est rien. Aïe 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 aïe, ok. Oula! Ah bah voilà! Oui, c'est moi qui me suis gouré, excuse-moi, funéraire, c'est ma faute. It's my fault, comme on dit. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il arrive, Roger, là? Il est pas encore là. J'approche pour atterrir. Allez, on se pose ici. Ah, le DLC sur Mars. Ah oui, peut-être Marc, oui. Oui, oui, exact, exact, exact. Un peu loin. Ah putain, il est arrivé. Ok, go, 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 go. Bon, et bah écoute. Est-ce que ça valait le coup, autant d'efforts, pour, pour un écran et une tenue? Je sais, franchement, franchement, je sais pas. Non, ouais, voilà. Donc, Momo est beaucoup plus définitif que moi. Il pense que non. Moi, je pense que c'est ça me fait dubitater. Je dubitate de ouf, là. Certains s'en seraient battu les couilles. Ombrageur qui dit « D'aucuns s'en seraient battu les couilles, mais toi... » Allez, on continue. Je pense que je ferai du New Dawn jusqu'à 23h, donc encore 3 bons quarts d'heure. Et ensuite, on passera sur Cabela, d'accord? On se fera un petit... Ce sera tranquille, Cabela, hein, donc... C'est pas parce que je suis vieille que ça me plaît, ok? Mamie, qu'est-ce qu'on a dit? Donne des flingues à deux gamins. Hey, t'auras pas le même résultat. Voilà, d'autant plus si l'un des deux fait pousser des haricots dans une ferme et que l'autre est un cinglé qui dort avec son arme depuis tout petit. Les armes, ça rend pas les gens égaux. T'es pas d'accord avec moi? Oui, ok, Ubisoft. On sait, Ubisoft, merci. Ubisoft qui balance ses petits messages en plein milieu. Tant que cette fête plaise à toi, c'est le principal. Bah écoute, le fait que ce soit une référence à Blacklist, je peux pas dire que ça me fasse non plus comment exulter, mais bon, ça, écoute, ça existe. Ça a le mérite d'être là, quoi. Gina, la maman du petit Blade, va devoir participer à la course des prisonniers des ravageurs et elle est là à gagner. Ah, c'est une course, carrément? Ah, mais quand ils disent derby, c'est vraiment un Destruction Derby, quoi. Ah! Tu sais quoi, on va faire la mission de grâce avant de faire la mission Destruction Derby. Parce que bon, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on n'a pas... quoique. Est-ce que vous préférez faire la mission Destruction Derby ou la mission d'histoire avant? Dites-moi, allez, je vous écoute. Le chat a la parole chez moi. Allez, consonne, voyelle, consonne. Je vous écoute. C'est quoi, je vais continuer à fumer un petit peu ma clope, moi, en attendant qu'on règle nos problèmes. Message de propagande, Liptard. Vrai américain, le Momo, là. He's a real good American. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? Il est beau quand même, y a pas à chier, il est beau. Hein. Si, c'est la mission où on va. Ouais, l'histoire, ça vous dit plus? Eh bah écoute, on va faire la mission d'histoire. Let's go, promenade de grâce. On va se taper un peu plus près quand même. Qu'est-ce qu'on a de plus proche là? Ça? Let's go. Dans la grâce, elle est chiante. Ah! C'est-à-dire... Bah écoute, on verra bien, Marc. Non, mais me dis pas, Kayla, me dis pas. Ruru! Quoi, Ruru? Pourquoi tu cries? Il aurait peut-être fallu que je change mon arme, c'est pas grave. Mais leur Ethan, s'il m'approche. S'il te plaît. C'est une façon de traiter ses aînés. Tu vas faire un remix de Lucky Luke? Laisse-moi réfléchir deux minutes. Lucky Luke. Ouais, si, ça pourrait se faire, limite. Limite, cover années 80, tu sais. Il a pas peur de personne! Qu'est-ce que tu fais, mamie? Continue à se latter qu'on te détruit? Oh, putain! Elle a niqué un loup à coup de crosse. Ouais, ça peut se faire, ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est vrai. Qui c'est qui me voit, là? On se casse. Ça nous intéresse pas. Ça ne nous regarde pas. J'ai beau être trop matinal, j'ai mal. Attrape ça, le petit bout, là. Dès qu'il s'agit d'attraper des bouches, je suis sur le premier. Hein. Bip. J'inspire la force, j'expire la connerie. Putain, comment elle trace, mamie. T'as vu ça? Oh, la speed force. T'es trop le meilleur après Lino Ventura. Alors ça, par contre, ça, c'est agréable à entendre, tu vois.
Si tu me dis trop le meilleur avant Lino Ventura et avant Jean Gabin, je suis chaud. Franchement, je suis chaud. Faudrait que je vous stream un moment où on fait de la musique quand même. Qu'on fasse une petite track ensemble. Oula, où ? Et on se fait charger par des moutons, t'es sûr que ça t'inquiète pas ? Un non-croyant est un pécheur. Un non-croyant ne connaît pas nos règles. Un non-croyant ! A rallumer la flamme sacrée. On a besoin de Joseph. Il purifie nos péchés. Le putain, comment on s'en fout, quoi ? Le pécheur. Envoyez le pécheur au nord ! Famille du Nouvel Éden, vous avez sondé votre âme et vous voulez vraiment que ce pécheur aille chercher notre père ? Eh oui, oui, il le faut. Le père a pitié des pécheurs. Après tout, nous sommes tous ses enfants. Cet arc narratif, je m'en bats les couilles, c'est marrant, hein. Il y a juste le mec derrière qui ressemble un peu à Jason Voorhees que j'aime bien, mais sinon... Faites-le boire, hein, je vais pas encore picoler, ça fait deux missions que je picole. Il nous ramènera notre père. Loué soit Joseph. Amen, amen. Ouais, moi on s'en bat les couilles. Super. Ça te permettra de survivre à ton passage. Oh là là, je vais pas aimer, non ? Non, mais pas les zizi, hein. Porte la preuve de sa mort. Ils comprendront enfin que je suis leur prophète. Et je te donnerai l'aide qu'il te faut. Et tout le monde sera content. Le mec à droite, il est vraiment super cool. À gauche, je veux dire. On dirait une grosse chouette et j'aime bien le principe. Oh non, l'aberration chromatique. Oh non, je déteste cet effet. Et voilà, je suis encore bourré. Je passe mon temps bourré. C'est simple, hein. Franchement, Lino Ventura ou Jean Gabin ? Ah, je sais pas. Ils ont des classes différentes. Jean Gabin, il a un peu la classe antisémite. Et Lino Ventura, il a plus la classe... Le mec qui fait de la pétanque, tu vois ce que je veux dire ? Il me fait penser au perso de Hollow Knight. Ouais, carrément aussi, ouais. C'est clair. Bonsoir. Tu me suis, toi, maintenant ? T'es un pote ? Ethan. Ça, c'est bien le nom de blanc, ça. Prrr, salopard de blanc. Très bien. Ça va ? Attention. T'es cool, toi, hein. Et puis, ils ont bien fait en sorte que tu sois un peu unisexe. Pas con, les mecs. Joseph a un sanctuaire là-haut, dans le nord. Le rituel exige que tu allumes des signaux le long du chemin. Mmh. Je doute que mon père soit encore en vie pour les voir, mais si tu ne les allumes pas, tu le paieras très cher. Parce que malgré le sacrement, le Nord peut encore te tuer. Le Nord ! Ce feu et ce feu sont la meilleure assurance pour ta sécurité. Ne t'en éloigne que si vraiment tu n'as pas d'autre choix. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce qui se passe dans le Nord Pas-de-Calais ? Rapporte-moi la preuve que mon père est mort. Et je ferai en sorte que tu sois... Donc Kaidan dit que c'est une mission chiante, très bien. Ok, je prends le défi, Kaidan. Tu sais quoi, une mission chiante, je vais en faire une mission super facile, tu vas voir. First try, sans mort, sans qu'ils aient de munitions. C'est quoi ce truc? J'ai l'impression d'être Caron. Charon? Non, Caron? Non, on dit bien Caron. Ou non, on dit pas Charon, on dit Caron. Non? Qu'est-ce qu'on dit? J'aime bien la petite truc là, il y a un petit côté bayou. Down in the bayou! God dang gators! On dit Charon. Non, on dit pas Charon. Si? Non. Moi je dis Caron aussi, hein. Non mais chiant, genre fastidieux. C'est fastidieux! C'est fastidieux! Les moutons, c'est fastidieux! Ok. Attends, je galère avec mon fil de casque, ça m'énerve, là. Attends, là je perds patience, voilà, merci. Et on dit Sharon. On dit Sharon. Sharon. I hear Shay in my oreillette. Putain, y'a ma petite truc qui part et pète un plomb. Bon, apparemment c'est fastidieux comme les moutons. C'est qui ces cons? Ah, c'est un vrai rituel initiatique et tout, quoi. On va dans la brume. Ok. Ah ouais, vénère quand même. On part sur du mur de gaz, quoi. J'ai l'impression de rentrer dans la chambre de SCAD. Ah. Je suis mort ? Non ? Ok. Le feu vous protège de la grâce. Ah bon ? Oh la vache, le psyché ! Enflammez le fanal. Déjà on dit le fano. La brume était mieux faite dans Mad Max. Vous savez que devant Mad Max Fury Road, le,
le moment, je suis pas rassuré là, le moment où on voit le mur de tempête avec la musique quand pendant la première chase, quand le camion disparaît dans la tempête et qui se fait poursuivre avec les tornades et tout, j'ai failli chialer, mec. C'était tellement impressionnant. Ouah, il y a un loup. C'était tellement impressionnant et j'étais tellement sur le cul, j'ai failli chialer, mec. Au cinéma en plus, hein, j'étais avec Warren. Genre, il m'a pédé. Aïe, aïe, ça pique. Pourquoi ça me pique? Enflammer le fanal. Ah, c'est parce que je suis pas en train d'enflammer le fanal, c'est ça? Alors, attends. On va reculer. On va aller là-bas. Là, on est près d'un feu, non? Non, ça marche pas, ça? Le trip psyché, c'est obligatoire dans Far Cry, c'est vrai. Faut que j'aille super vite, là-bas, c'est ça? Allez, go. Moi, j'ai bandé. Ah, c'était trop impressionnant pour que mon zizi soit actif. Ok, alors on y va, go. Hop, 1, 2, 3, trivago. Ça s'allume ça aussi ou quoi? Ou genre il faut les allumer que dans un ordre précis? D'accord, faut les allumer que dans un ordre précis. Merci Guillemot. Non, non, mon cyborg de type 5 commence à tousser un petit peu. Ah, ça me pique dans le bouffon de la gorge. Allez, enflamme, enflamme, enflamme. Enflamme, enflamme, hein. Comment on fait? Enflamme comment? Comment est-ce qu'on enflamme? Faut enflammer avec sa tête. C'est vraiment beaucoup plus simple. Aïe, aïe, ça brûle du coup. Quel con. Aïe. Ok, donc il faut... D'accord. Ok. Je vois l'ambiance. En black and chrome, le film était sympa aussi. J'ai même pas encore maté le film entièrement en black and chrome. Il faut vraiment que je le fasse parce que... Comment on allume ça? Quel est le... Je m'en fous de l'arc narratif, comment j'allume? Mais non, mais c'est pas de ça que je parle. C'est que je m'en fous du scénario, là. Je m'en fous du truc avec Joseph, je m'en fous pas de l'arc. L'arc en lui-même, j'aime bien. D'autres travailleurs font des rêves étranges, mais quand... J'en s'en fous, ça. Oui, je sais, ça se trouve, c'est des trucs super importants, bah c'est pas grave, tant pis. Et il faut me permettre aussi de faire des erreurs, Arcana, tu sais, moi je te trouve bien dur avec moi, hein. pas la bite, hein. Ah, les blagues sur les pénis, ils sont trop forts à Megaforge, ils font trop des blagues sur les chattes et tout. Pff, trop ouf. Allez, non, monte. Bah, qu'est-ce que tu fous? Monte. Faut que je pousse. Ah oui, faut que je pousse. Et voilà. J'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. Allez, go. Avancez vers le nord. Salut, Skad. Ça va, poteau? Tu dormais? Je suis sûr que tu dormais. Je suis sûr que tu faisais un petit dodo. Skad, est-ce que t'as un pyjama intégral de Spider-Man? J'aimerais bien avoir un pyjama intégral de Spider-Man, mais ils font pas en quadrupixel. Parce que je suis une sphère, en fait. Du coup, il faut la faire sur mesure. Ok, go. Oui, non, je passais mes parangons sur Diablo 3. D'accord, ok. Non, j'ai pas, les pyjamas c'est pour les PD. C'est vrai que Skad dort entièrement dans la peau de ses ennemis. Et je l'ai vu chez moi, c'était chiant parce que tous les soirs du coup il fallait trouver un ennemi différent. Mais avec un peu, comme on a du bol, j'habite juste à côté des clodos, du coup il en a trouvé. Mais le lendemain c'était galère, hein. C'est très joli, hein. Il y a un petit côté Bjork qui ne me rend pas indifférent. Le clodo qui gueulait sale Nantais. Ah mec, c'était génial ça. Sale Nantais. Ah, enculé. Il était marrant, lui. Ok, go. Vous avez de la chance que je sois Legolas, hein, parce que... Chat. Merde. Chat. Merde. Chat. Merde. Chat. Yes. Du premier coup, hein. Go, 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 go. Attends, on m'a dit tout à l'heure que j'avais 10 points de... Ah, j'ai 14 points de compétence, ouais, d'accord. Donc, du coup, on va reprendre... Ça, plus de munitions légères, parce qu'on n'a jamais assez de munitions légères. On va reprendre ça, parce qu'on n'a jamais assez de munitions légères. On peut continuer en plus, putain, c'est génial. Et des munitions lourdes. Voilà. Ok. D'accord, c'est bon, je comprends comment le jeu marche, enfin. Chez. Legolas, Morlac, le gros lâche. Oh, bravo. Merci. Bravo, déjà c'est grossophobe, d'une, et c'est lâchophobe. J'y peux rien si Dieu m'a fait lâche, Skad. En plus, je t'ai pas trahi une seule fois pendant toute la durée de l'IRL. Si? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Il me semble pas. Je sais plus, c'est dur, hein, tu sais, de me souvenir de toutes les fois où je trahis. Je m'en souviendrai, je pense. Après, je t'ai trahi beaucoup, hein.
Allez, premier truc, on le fait du premier coup. Mon gars, c'est les feux d'alarme du Gondor, quoi. Les feux d'alarme! Mauvais augure. Ok, on s'arrête là, hop. On reste en mouvement, drive-by, bip, et on reprend. Ça a pas allumé. Ça a allumé. Ok, go. C'est très long, hein, comme truc. C'était marrant au début, mais c'est un peu long, là. Sur UFC, je t'ai trahi en premier. C'est vrai, c'est vrai. Que du coup, sur UFC, je te trahissais après. Parce qu'en fait, sur UFC, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand t'appuies sur L2 au début du match, tu tends ton gant pour dire bonjour. Pour dire bonjour. Tu dis pas bonjour, mais tu... Le mec dans le ring, il dit bonjour. Imhotep, comment va ta famille? Tranquille. Non, non, c'est pour en signe de respect, tu sais, tu touches le gant, quoi. Et Scad, il a tenu son bras, donc je me suis dit, tiens, il veut toucher mon gant, sympa. Et en fait, il m'a foutu un kick dans le mollet. Donc, voilà. De toute façon, Scad, dès qu'il s'agit de kick, c'est toujours le premier. Je comprends pourquoi il disait que c'était chiant. Oh, je sais pas, c'est pas forcément chiant, mais disons que c'est contemplatif, quoi. La grosse kick. Ça fait du pousse-mousse jaune. C'est bon, je suis arrivé au bout. Il est fini mon voyage initiatique, là. La porte du Nouvel Éden, allez, let's go. On va voir Joseph. Parce qu'on est quasiment positif que Joseph est pas mort. Ça serait bizarre qu'il se sépare quand même du mec le plus charismatique de Far Cry 5 pour les remplacer par son fils ou je sais pas quelle autre connerie là. Ethan Hunt. Le fameux personnage de Tom Cruise que personne n'a oublié. Tout le monde se souvient de Ethan Hunt. C'est quoi ce bruit? Ça fait oui. Ah non, c'était peut-être un grincement. Ok. Non, c'est moi qui suis fou, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'assure. Merde. Voilà. J'aime vraiment beaucoup l'arc dans le jeu quand même. Hop, on a enflammé le fanneau. Ouh putain! Ça me fait peur, j'ai très peur. Oui, là, évidemment, ils... Oh la vache, ils sont super flippants, ces cons de loups. Casse-toi. T'as, elle est où mamie quand on a besoin. Quand on a besoin d'elle. Aïe. Non, me mange pas, bibou. Pipou, tu manges pas. Non. Ouh putain, c'est un loup enflammé, c'est Ghost Rider. Ouh, merde. Ouh là la vache. J'arrive pas à leur tirer dessus. Si seulement j'avais une arme automatique. Bon, ça c'est un lance-scie, c'est pas forcément ça que je voulais, mais. Ok, c'est bon, tout va bien. Heureusement que je suis la fine patte. Non, la fausse patte du pays de Galles. La fine patte. Ça veut rien dire la pine patte. La pin fat, c'est quand t'as une grosse teubie. Oh merde! Attends, je... La pin fat du pays de Galles. Oh putain! Oh le con. Je voulais dire la pâte fine, c'est uniquement la fine pâte, je veux dire, c'est uniquement Domino's Pizza. Ok, en plus c'était juste ça que je voulais dire, hein. ça nécessitait tellement pas autant d'efforts, mais tant pis, hein. Il y a des jours comme ça, t'es pas en veine, c'est tout. Hein. La prolapse du pingal. Prends ça, ça te branche. Voilà, avec un pain. On refait le monde. Et ben voilà, tranquille. Je peux y retourner comme ça, mon bateau? Yes. Probablement. Peut-être? Non, je sais pas. Si? Je meurs pas quand je vais dans l'eau? Non, c'est bon. Ok, impeccable. Il y a des jours, ta pin est fat. Ouais, c'est vrai. Il y a des jours, t'as une pin fat. Il y a des jours, t'as une pin small. Bah écoute, ça arrive. Hein. Attends, qu'est-ce qu'il y a en dessous de mon bateau? Il y a un truc, non? Oh, il y a une petite fleur. Les fleurs? Non. Les fleurs? Non. Caroline, comment vas-tu? Tes yeux d'un bleu d'azur, tes cheveux en cascade, ton âme et cœur si pur, je vais prendre une petite salade. Bon, il faut encore que je retravaille la fin, mais... Ok, go. Mais l'ambiance est ouf, ouais. C'est vrai que l'ambiance est ouf, mais je trouve que c'est un peu long. Le... Ah, oh. Ah ça, en plus, ça me fait tousser. Dis donc, la foi, ça fait tousser quand même. Hein. C'est pour ça que les prêtres, ils te demandent toujours de garder tout dans la bouche. J'ai clip la pin fat. Non, c'était pas nécessaire, putain. Et merde.
Tu me fais... En fait, je rigole tout seul en repensant à des sketchs de François Pérusse. Et il y a un moment où, il veut dire coucou Caroline et il dit caca, je sais plus quoi là. Et ça me fait rire à chaque fois. Et c'est très enfantin. Et c'est caca est encore un mot du vocabulaire enfantin qui déclenche en moi des rires irrépressibles. Caca Caroline, c'est ça. Le mec il s'entraîne pendant une demi-heure à dire coucou Caroline au téléphone pour avoir l'air cool en appelant la nana qu'il aime. Caca Caroline, clac, et il raccroche direct après, je crois en plus. Moi je crois qu'un des trucs qui m'avait fait le plus rire, c'était le sketch sur les radios associatives où où t'as une pub. C'est les radios associatives qui ont des pubs de merde, des pubs pour des trucs pour des établissements locaux, tu vois. Et à la comment ils appellent ça? Merde, comment ça s'appelle? À la garderie, les petits bouts de chou, nos qu'est-ce qu'il dit? Merde, nos assistantes ne font rien pendant que vos enfants se foutent des crayons au cul. Mec, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais inconsolable. Je crois que j'ai ri pendant 2 jours. Ok. Mais mec, ouh la vache. Oh la, wow. D'accord. Bah impec. Bah c'était cool, c'était marrant, c'était bizarre. J'ai l'impression que j'ai un peu fait ça pour rien, mais c'était pas mal. Se mettre des crayons dans le cul. Ah mec, ces sketchs-là, mais François Pérusse, y'a pas à chier, il me fait rire. D'ailleurs, y a bien des CD de François Pérusse sur Spotify. Si jamais quelqu'un cherche un petit peu... T'étais avec moi depuis le début, mamie? Oh, mamie est en train de se noyer, je crois. Non, c'est... Mamie vient de... Mais mamie? Mais qu'est-ce... Mamie, toujours avec nous, mamie, always. Always I wanna be with you, and make believe with you, and live in harmony, harmony, always. Joseph? Allez, Joseph. Joseph n'est pas mort. Ouh, Joseph n'est pas mort. Et Joseph est vénère. Joseph, il vit dans Apocalypse Now. Ça, c'est une référence à Apocalypse Now direct. Ah bah tu m'étonnes qu'il est vénère, Joseph, y a rien qui a marché quoi. Y a tout qui est parti en couille. Hein. Oui, y a pas tout de Pérusse sur Spotify, mais y a au moins l'album du peuple. Et moi cet album, je le connais par cœur. Je peux te chanter, te réciter Snack Bar chez Léon, mec. C'est un album que j'écoutais dans mon lecteur CD NEC depuis que je suis tout petit. Je le connais par cœur. Ça va, gamin? Oh la vache, oh, il a mangé un peu. Ils sont où tes muscles? J'ai tellement attendu que quelqu'un arrive. Ouais, si, c'est une référence à Apocalypse Now, ça. J'ai vite désespéré. Je suis désolé. J'ai déjà vu ton visage. Ah, calvitie. Dieu me l'a montré dans un rêve. C'est facile de dire ça, hein. Je savais que ce serait toi qui viendrais tout arranger. Que tu remettrais les choses dans l'ordre attendu. Je savais que tu apporterais le salut. Il ressemble un peu à Jack Nicholson maintenant. Tu viens chercher de l'aide. Je trouve. Un genre de Jack Nicholson. Au niveau des yeux, j'ai l'impression qu'il ressemble à Jack Nicholson. Mais il a un projet pour toi. Bah, c'est un arbre. C'est pas un projet, c'est un arbre.
Par contre, t'as perdu ta musculature. Qu'est-ce qui t'a empêché pendant 17 ans de faire de la muscu, mec? T'es pilate, au moins. Du pilate, des calisthenics, quelque chose. Tu fais des pompes, j'en sais rien, mais putain, mec. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? T'es beau gosse avant, il était chiche, tu vois, t'avais... Avant, Joseph, t'avais l'impression que tu pouvais faire du MMA avec lui, maintenant, regarde-le. Bravo. J'ai plus aucun respect pour toi, mec. Le feu purificateur de Dieu. J'ai vu le chemin. Comment t'as réussi à t'enlever tes tatouages? T'avais les tatouages avant. Ce que nous devions faire en arrivant. Ils sont où tes tatouages? Attends, ils sont où tes tatouages? Ils sont où tes tatouages? Donde estas los tatinos? Alors tu les as toujours tes tatouages? Le rejet de tout ce qui était en lien avec l'ancien monde. C'est chiant, hein. La création. C'est chiant, hein. D'une nouvelle société. Ça casse les couilles, hein. Qui vivrait. Non, c'est bon, je te laisse, vas-y, go. Et ne prendrait que le strict nécessaire. Oui, je sais, dis donc. Oh là là, Tyler Durden, c'est bon, là. J'arrivais d'un monde, les gens, ils porteraient du cuir pour toute la vie. Ils seraient en train de... du maïs ou je sais pas quoi, là. Ponce Pilate, fils de pute. Et il est où ton perso du 5? Eh ben on l'a croisé tout à l'heure, Poléon, mais c'est pas encore dit. Hihihi. Hihihi. Son fruit est un don de Dieu. Alors c'est juste des pommes. Il a donné à ma famille la force de supporter la famine et la maladie. Oui, c'est des petites pommes. C'est bon les petites pommes. Il y a de la pectine dedans. Parle. Il y a une vidéo de Jean-Claude Van Damme où il explique qu'il croit pas. Il croit pas à la religion, je crois, ou il croit pas au christianisme ou au créationnisme plutôt. Parce que il pense pas que manger une pomme ce serait un péché. Et parce que dans la pomme il y a de la pectine et que c'est bon pour le corps. J'adore ce mec. Je suis fan de Jean-Claude Van Damme, mec. Dieu nous a demandé de rejeter leur âme pourrie. Alors voilà. Moi quand je marche ça va un peu plus vite que lui. C'est Ubisoft, je te déteste. Il est con, mais il est formidable. Il est pas con. Vous avez tort de dire qu'il est con. Il est pas con du tout, Jean-Claude Van Damme. C'est un mec super intelligent. Et il est vraiment investi dans tout ce qu'il fait. Sa petite maison, elle est ultra comfy, par contre. Il est vachement investi dans tout ce qu'il fait. Et moi, il me fait trop kiffer, moi, Jean-Claude Van Damme. Je l'ai jamais trouvé con. D'accord, il dit des trucs rigolos, mais écoute... Manson aussi, il dit des trucs rigolos. Hein. Manson, ça a beau être un gros psychopathe détestable, il est pas con non plus, hein. Ton perso, c'est pas celui qui a ouvert la porte du camp des religieux. Si, c'est depuis tout à l'heure, c'est celui qu'on voit qui ressemble à Jason Voorhees avec sa tête de chouette, là. C'est lui le député de Far Cry 5. Lequel de Manson? Bah, Charles. Pas Marilyn, hein. Luigi's Mansion. Oh putain, Luigi's Mansion. Oh c'est génial. T'imagines, c'est Luigi qui doit aller dans le camp de Charles Manson qu'il avait dans les années 70 avec son petit aspirateur. T'as tout le monde en train de se déchirer au crack. Il est là, mamma mia. Oh mec, oh putain, il faut que je fasse un montage après. Faut que je fasse un montage. Luigi's Mansion. Oh c'est génial. Mario. Green Mario. C'est quoi, c'est des Free Wumpa? Kubulga. C'est des petites mangues? Non, c'est un petit pommier. Notre miracle. C'est ça? Un petit pommier? Il est sympa ton arbre qui a la forme d'un Mjolnir sur ton buste. Je me suis retrouvé face à une bête féroce. C'était mon âme. Et à cet instant, j'ai su... Ouais, enfin, t'es en train de bouffer les pommes de l'arbre interdit, non, théoriquement, non, donc qu'est-ce qui se passe? Je devais purifier mon âme. Car si je ne le faisais pas, ce serait la bête qui me consumerait. Mange, il y a de la pectine, c'est bon. En plus, c'est une Pink Lady. Attends, elle est où mon bras bionique? Non, c'est l'autre bras. Purifie ton âme. Ouais, c'est une Pink Lady. Elles sont bonnes, les Pink Lady. En plus, c'est mes pommes préférées. Je pense que dans mon top 5 des pommes préférées, il y a Pink Lady, Golden, Granny Smith. Tue la bête. Oula.
et les deux, après je reconnais pas l'autre. Ok, je suis en train de me transformer en démon, ou alors je pense qu'il m'a donné une pomme chargée du judaïsme, et étant chrétien, ça me brûle. Non, je sais pas ce qui se passe. Elle est trop petite pour une Pink... Non, c'est pas grand les Pink Lady, c'est pas des grosses pommes les Pink Lady. Les Granny Smith sont énormes, c'est plus ou moins des melons, en fait. Mais les Pink Lady sont pas grandes. Notre miracle nous a permis de survivre, mais ses dons ne sont pas sans condition. Il nourrit ce que contient l'âme. Et tout ça avec des même pommes. Si cette âme est tordue, le miracle... Oh, la hargne des tordus. Ne regardez plus les tordus comme des pestiférés. Et qu'ils ne soient jamais exclus et surtout respectés. Allez, encore un petit passage hallucinogène parce que ça manquait. C'est juste le quatrième, hein, dans Far Cry New Dawn, on est tranquille. Mon gars, j'en ai bu du jus de pomme, j'ai jamais eu ça. Quoi? Ah, d'accord. Je crois que t'étais en train de dire que t'avais jamais connu le jus de pomme. Trouvez la bête. D'accord, bah t'inquiète pas, on va la trouver. Est-ce que j'ai pas mon fusil de chasse, mais t'as beaucoup de chance. C'est la bête? C'est la bête, ouais, mais elle est énorme. Ah, mais c'est le cheeseburger. Oula, c'est un géant, ça. Oulala. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne peux pas combattre ta propre bête dans les ténèbres. Nani? Nani Deska? Nani Desole? Oh, attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Non, couchez. Il est où? Là. Putain. Oh, il y a eu du chiage. Oh, je crois que j'ai lâché des petits caca. J'ai lâché des petits bouts. Je me suis chié dessus. Vas-y, viens. Vas-y. Ah. Trop lent. Ah, mais trop lent, trop tendre. Waouh. Ouais, c'est bon le jus de pomme, mais est-ce que vous avez déjà goûté du jus de melon, mec? Le jus de melon, c'est littéralement le plat des patriciens, quoi. C'est la boisson patricienne de base. Aïe. Il con ce truc là. Et merde, évidemment, j'ai loupé son bide. Attends, oh, je l'ai eu là. Juste que je cours un petit peu, le temps de régène. De toute façon, je suis plus rapide que lui. C'est un ours après tout, hein. Les ours, si ça courait vite, ça se saurait, hein. Ça court à peine à 60 km. Oh putain. Ne regardez plus les... Ouh, putain, il a pété. Comme des pestiférés. Et qui ne soient jamais exclus, mais surtout respectés. 1. 2. Il est juste à côté de moi, Le nectar de banane Estia, ça c'est clair par contre. Mon gars, quand j'avais mal à la gorge là et que je devais streamer, le nectar de banane, ça te couvre la gorge en fait d'un genre de petit tapis de bonheur. C'est super bon, c'est rafraîchissant, il y a des vitamines, je suis en train de brûler de l'intérieur. Oh, ils m'ont laissé mon bras bionique. Yes, tip fight, motherfucker. Qu'est-ce qu'il y a? Oh yes. Qu'est-ce qu'il y a? Yes. Non, c'est pas un type 4, c'est un type 5, mec, c'est le futur, hein. J'en ai fait un type 5, moi, de Black Hogan. Putain, j'ai plus de coca. Tant pis, j'irai en chercher plus tard. Le péché est une bête qu'il faut affamer. Ah, Ombrageur, il a ri mi-français, mi-espagnol, il a fait ha ha ha. Ça m'a fait rire. Ah bah voilà. Est-ce qu'on peut commencer la sodomie maintenant? Au nouvel Éden. T'as oublié le rire russe aussi scad avec les X, Xaxa là. Enfin, ils font vraiment. Astérix est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bague.
du strict respect de mes règles. Et tout le monde s'en fout que Joseph soit là ? Plus espérer que Joseph nous sauvera. Il ne reviendra jamais. Il est juste là, regarde juste le mec torse nu. Regarde juste le mec torse nu devant toi, je t'en supplie. Père. Ethan. Père ? C'est le père. Je serais eux, je serais en train d'exploser si j'étais aussi fanatique que eux. Touche la gamine. Oh. Alors que nous avions besoin de toi. Pourquoi ? Pour que Dieu me parle, mon fils. Ouais, c'est un peu facile. Hein. Et donc, Russian, il est 14h30, tu viens de te réveiller, c'est quoi ce bordel ? C'était pour que Dieu me parle, j'ai pas mal dormi en plus. Mes enfants. Je suis fatigué. Je sais que vous avez souffert. Mais les gens, ils sont pas plus excités que ça, c'est littéralement leur dieu qui vient d'apparaître devant eux. Je vous ai laissé seul pendant très longtemps. Je sais pas si t'as Odin qui vient et qui fait, hey, poteau. Pour une clope. Abandonné. Si je dis ça à mon boss, je me fais enculer sur place. Excusez-moi, monsieur Gradure, parce que je pense que tu bosses pour Gradure. Excusez-moi, monsieur Gradure, voilà, je suis en retard ce matin, c'est parce que Dieu m'a parlé. Pas de problème, Momo. Allez, va à ta machine, enlève ton pantalon et je t'encule. Le moment de nous battre est venu. Par contre, Joseph, je trouve qu'ils l'ont bien fait vieillir. La voici. Dieu a testé son âme et elle est juste. Et elle est pure. Si je suis patron, j'accepte ses excuses directes. Ouais, bah mec. Que cet étranger est notre bon courage, hein. Père. Et Dieu, il t'a bien dit que t'étais viré. Nous irons combattre les hordes massées à nos portes. Et tous ensemble, nous marcherons vers cet avenir que Dieu nous a promis. Mec, il a plus de muscles, quoi. Il a plus rien. Tu nous as abandonnés. Sans un seul mot, sans instruction, me laissant les guider, seul, du mieux que je pouvais. Et là, maintenant, tu es de retour, comme si tu descendais du ciel, et tu veux nous guider ? Mais oui. Oui, c'est parce que fait un prophète, normalement, trou du cul. Joseph est notre chef. Le nouvel Eden m'obéit. Oh là là, va y avoir du power struggle, mais il a plus de muscles, comment il va faire ? Fils, je sais que tu as porté un lourd fardeau en mon absence et je te comprends. Mais il va falloir que t'ailles très loin dans ta foi et que tu trouves la force d'aller te faire enculer, Ethan. Il faut savoir sacrifier ce que nous voulons. Va falloir que tu passes 6 ans sous une cascade à méditer pour que t'ailles te faire foutre ta grosse bite dans ton gros cul, d'accord ? Un jour, tu verras. Va brosser les fraises. Va ranger la forêt, Ethan. Venez. Avançons tous ensemble. Va falloir que t'ailles niquer ma femme, Ethan. Nous avons du pain sur la planche. Nous avons du pain. Ouais, sur la planche. Ouais, on a du pain, ouais. Il est là, Astérix, ou pas ? T'as besoin de plus de pectine, Ethan. Et du coup, il est où ? D'accord. Parlez au père. Oh, petit... Ah, c'est pas un binou du tout, ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est pêche ? Faut voir ses yeux ? Non, c'est pas pêche. J'aurais aimé te parler. J'aurais aimé te parler. Ouais, les liaisons dangereuses. J'aurais aimé te parler. Si tu viens pas à moi, j'irai à toi. Poléon ! Mec, Poléon qui a sorti l'expression, je pense, la moins claire du monde, mais la plus drôle. Ethan, il a les boules de vanille qui crient pistache. Mec, ça veut rien dire, mais en même temps, ça veut tout dire, c'est génial! T'as les boules de vanille qui crient pistache, mais c'est super! Ah, j'adore! Scad, une fois, on était en train de se faire bombarder sur je sais plus quel jeu, et il était en train de sprinter pour éviter les bombes, et il dit putain, faut que je reste ici, ça sent le pimousse! Et ça nous a fait toujours rire! Quant à toi, n'oublie pas. Ce que tu as vécu jusque-là est un avant-goût de son pouvoir. Ne le gâche pas. Oh, j'espère que je vais avoir un pouvoir genre magique, vraiment. J'espère qu'à la fin, je vais vraiment avoir un pouvoir magique, mais à la Blood Dragon avec la Killstar, tu vois, pareil. Celle de la violence. L'Américain. Une qualité qui te sera utile. Tu veux parler moins fort, s'il te plaît, parce qu'on t'entend presque. Donc, notre berger, tu dois être notre... Avant d'être notre Michel. Va. T'as compris ? Cette terre pour tous ceux qui souhaitent y vivre. Et du coup, je pense que maintenant, on va pouvoir recruter lui à côté, non ? J'ai vraiment pas fait exprès.
je te jure sur ma life que j'ai pas fait exprès. Ok. Ça va ? Et du coup maintenant il... Ah voilà, donc le juge maintenant il est avec nous. Ça va ? Ah, ah non, Jésus, elles sont où mes pommes ? Non, non, je déconne. Ranimir, regarde. Cinq copains. Voilà. Ça va ? Il me fait plus confiance. Ça va, Judge ? Et donc oui, lui, c'est le personnage de Far Cry 5. C'est qui on était censé être, c'est pour ça qu'il est, il ressemble à rien, il est rien, Qu'est-ce que tu fais ? Non, lève-toi. Lève-toi, Judge. Judge Dredd, lève-toi. Bon, tant pis. Bref, on a gagné énormément de points de talent et décousu. Si ça continue, on verra. Oh ! On a une barre de mana maintenant ! Mec, on a des skills ! Maintenez contrôle pour devenir temporairement plus difficile à repérer par les humains. What ? On a un double jump ! Oh là 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 ! Mais c'est ouf ! Don d'Eden, touche d'Eden. Les exécutions régénèrent le don d'Eden et la santé et la victime est automatiquement pillée. Putain, c'est pas mal ! C'est pas mal ça. Ils ont pété une pile, mais c'est génial ! Non, c'est justement ce que je voulais moi ! Moi, je voulais justement qu'il commence à péter un plomb et qu'il commence à dire « Allez, vas-y, on va foutre des skills de ouf maintenant, bat les couilles !» Donc ça, c'est 8 points, et bah écoute, on va prendre celui-là aussi. Consomme le don d'Eden, ok. Du coup, maintenant, j'ai un double saut. J'ai littéralement un double saut, mec. Mais c'est complètement dingue. Oh la vache! Putain! Mais c'est grave cool! Mais c'est grave cool! Non, par contre, là, j'avoue, c'est génial. Ils sont vraiment allés avec leur délire jusqu'au bout. Ils se sont pas arrêtés en chemin, quoi. Ils ont pas dit, ah bah non, ce serait peut-être un petit peu trop fou quand même. Non, 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 là, bah les couilles. Là, si j'ai envie de. Ah, mais c'est grave stylé. Ah ouais, je crois que je suis devenu un cyborg de type 6, du coup, maintenant, vu que je suis. J'ai l'infusion divine avec moi, quoi. Oh putain! Ombrageur, c'est pectine, pas peptine. C'est un C, pas un P. Tu me fais rire depuis tout à l'heure à dire peptine. C'est rigolo. Oh putain, il court vite le juge. Ça va ? On peut te parler ? Non, on peut pas. Par contre, je crois que quand t'as le perk qui te permet d'avoir deux mecs avec toi, si tu demandes à comment Sharky Bocha de venir avec toi ou à quelqu'un d'autre qui était dans le jeu avant, ils commencent à discuter tous les deux. Genre, ah bah, qu'est-ce que t'es devenu ? Non, non, non. Ouais, quelque part, on s'en fout, hein, mais c'est cool. Morale de l'histoire, si vous avez un pommier avec un feuillage rose, mangez les Pink Lilies. Ah. Oh, c'est grave stylé, mec. Par contre, c'est pété, hein. Genre, je peux vraiment disparaître à une vitesse folle. Mec, mais je suis littéralement invisible. Est-ce que je suis invisible, même sur le mode photo ? Pas du tout. Haha, je suis invisible. C'est qui le Renoir au fond, là ? Il est con, quoi. Et je peux l'arrêter quand je veux, d'accord, je peux l'arrêter quand je veux. Oh, la vache. Bon, c'est un peu lent pour pouvoir se déplacer comme ça, mais c'est quand même super cool. Ok, dac. Donc, eh ben écoute, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un maximum de points de talent et de points de défi pour rester un petit peu dans le move, comme disent personne. Et du coup, on va faire cette mission-là, là, rejoindre l'arène du derby, parce qu'apparemment, il y a une mission de Demolition Derby qui m'appelle. Et ça, on laisse pas passer. Il est quelle heure ? Il est 57, et eh ben je continue un petit peu encore à jouer. Et ensuite on stoppe, d'accord ? Et ensuite on va aller buter les animaux sur Cabela, ça vous dit ? Par contre, il y a Eden's Touch, les attaques de CAC, elles sont pétées niveau dégâts. De toute façon, je pense que oui, les prochains points de talent que je vais dépenser, ce sera uniquement dans les trucs de d'Eden, hein. Parce que ça a l'air complètement pété, genre, rien que le mode fantôme laisse tomber, quoi. Le mode Eden est peut-être le mode pour récupérer des munitions aussi, parce que ça a l'air relativement niqué aussi. Et que je savais pas que ça existait, surtout. Ça va, Judge ? Allez, c'est parti. On est immortel maintenant, mec. C'est toi qui respire comme ça ? Mec, t'es flippant un peu, tu fais de l'asthme ? Tu fais de l'ast ? Encore pire que l'AMS. Je sens qu'avec le double saut, tu peux faire du damage boost ou je sais pas quoi pour le speedrun. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, ouais. Marrant ton lutte. Elles sont bizarres leurs arbalètes. Ok, go. Ah. Oh, nice. Nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Ok, go. Donc du coup, c'est une mission de snipe où il faut sniper des enculés pour pas qu'ils tapent notre copine. Enfin, la copine de notre copain. Qui est plus ou moins notre copine indirecte, en fait. Hop, 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 hop.
C'est quoi cette arme? C'est ça, Nick Nick. Un lance... Oula, un lance-disque. Je suis désolé. Un lance-disque. Ah merde, attends. Ah oui, mais en fait, ils sont pas gentils. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mon con. C'est tellement bleu, c'est tout. Bah oui, elle est radioactive. Elle fait pas exprès, la pauvre. Lui, on veut pas. Hein. Tu es les adversaires de Gina. Bah attends, avant ça, il me faudra un flingue. Vous pouvez sniper ici ou combattre dans l'arène. Faut pas me le dire deux fois, poteau, hein. Allez, go. Oula, je me suis niqué. Hop. On va prendre ça. Et on va aller niquer dans l'arène. Loupé. Bon, elle, faut que je la protège, très bien. Ils vont pas très vite, exprès pour moi. Merde. J'espère qu'il faut que je les bute, les pilotes aussi. Le juge, il est en train de paniquer. Hop, toi, t'es mort. Oula. Ok, impeccable. Non, c'est bon, ça va se passer bien. Oula. Ça va, Judge? Oh, le pauvre. Oh, il a mangé une tannée, là. Attends. Merde, là, il y a des snipers. Nique le, Judge. C'est bon, ils sont cons. Y a aucun problème. Ça posera aucun souci, cette quête. Oh la vache, oh le bordel que je suis en train de faire, je suis désolé. Rien que dire Gina, je pense à Regina, la pizza, j'ai faim. Et putain mec, il faut pas grand chose. Hein. C'est pas Vlovien ça? Oula, ouh. Impeccable. Bon, pour l'instant ça va. Là y a son père. Judge, est-ce que tu peux aller niquer lui s'il te plaît? Sans vouloir te commander. Je crois qu'il s'est pris un truc, non c'est bon. Ça c'est fait. Y'a un mec qui arrive tout droit de Terminator 2. Hop, hop. Attends. Hop, on va utiliser le pouvoir qu'on a parce que... Ah, cha. Oh là là, c'est niqué. Mec, c'est complètement niqué. C'est complètement fait comme truc. Oh là là. Bon par contre, Judge, il branle rien. Hein. Ah si. Ah si. Ça c'est bon. Il y a un PNJ qui a dit sa mère la pute. Oui, il dit ça de temps en temps. Ouais. Je vois, trou du cul. Ah. Moi aussi je te vois. Hi, coucou. C'est tout ce qu'il y a ici? Non, il y a lui. Ça c'est bon. Attends. Tintin, merde. Tintin, j'ai loupé complètement. Aïe, j'ai l'air juste d'un con. Maintenez contrôle pour le talent fantôme. Je peux monter avec toi? Oh, tant pis. On verra plus tard. Semi-rafale. Non, je veux pas semi-rafale. Fume-moi l'automatique. Voilà. J'ai plus trop de munitions, mais c'est pas grave. Sans lui, il va pas faire long feu. Ah bah voilà. Ouh, la vache. Oh, le truc à la Hollywood. I need a ride. Putain, ça sur BF2, mon gars. Je crois que c'est le truc que je disais le plus. I need a ride. Et le mec, il s'arrêtait jamais. Hein. Si de temps en temps, ça faisait un petit tout-tout. Il arrête son MV et fait un petit tout tout tout. Genre monte. Viens, c'est qui ce mec à poil? Il y a un mec en chaussettes. C'est pour ça qu'ils m'ont filé une voiture de merde. Ouais, mais on s'en fout. Ouah, comment elle est trop badass. Salut, ça va? Ouais, moi aussi je suis trop badass, ouais, trop de trucs de fou, j'ai une mitrailleuse. J'avais tout sous contrôle, je pouvais me passer de tes services. Oh ta gueule. Je sais bien que cette putain de course était impossible. C'est pour ça que je voulais la gagner. Mais merci. Tu m'as sûrement sauvé les niches, on va dire. Pas doué pour les excuses. Je t'en veux pas vraiment, je voulais juste faire rager ces salopards en gagnant la course. Ça fait des années que je dois supporter les jumelles. J'ai fermé ma gueule. J'ai fait tout. Du coup, elle, c'est la meuf de Sharky. Mais non, c'est la meuf de... Oui, non, si, c'est la meuf de Sharky. Mais la sœur de Herc, c'est ça? Non, bah non, sinon ce serait sa sœur. Non, oui, c'est la meuf... Non. Non, c'est la meuf de Sharky. Parce qu'elle a eu son, elle a eu son bébé avec, non? Mon bébé sera pas à l'abri. Je vais faire payer... Je sais plus. ...tout ce qu'ils m'ont fait subir. Tu me plais bien. Ah non, c'est l'âme sœur de Sharky. Non, c'est l'âme sœur de Herc. Oui, c'est ça. Sharky et Herc. Je suis sûr que c'est ça. Hein. Le bébé, c'est celui de Herc. Ah d'accord, donc quand il dit mon bébé, en fait, c'est pour le délire, quoi. Gina Guerra. Ok, maintenant, on a Gina avec nous, mais je préfère le judge, quand même. Hein. Ça va, juge? T'es tranquille? Tu chill? Tu te clopes? Qu'est-ce que tu fais? T'attends un fist bump?
Qu'est-ce qu'il fait? Tu bénis les gens? Je veux t'apprendre, moi, ta grosse race. Waouh, quel cri unisexe. Ok. Hop, 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 chat, hop, out of bounds, on est bon. Non, je pense que du coup, ils ont bien fait attention de bien tout texturer. Ouh. J'aurais pu y aller tranquillement à travers une porte. Mais vu que je suis con, c'est pas grave. Ok, go. Là, il y a des trucs. Ça souffle, ça? Ça souffle pas. Allez, go. C'est expliqué pourquoi il est en déni de visage, etc. Ton ancien perso. Bah, non, mais enfin. Il doit avoir une explication bidon, mais l'explication surtout, c'est qu'il savait pas quel sexe ils allaient faire canon et. Enfin, canon. Et du coup, ils ont fait en sorte que du coup le juge puisse être des deux sexes. C'est pour ça qu'il parle pas, qu'il fait juste des qui peut être à la fois femme et à la fois homme. Ils sont pas cons les mecs, hein. Ah, hop, j'ai fait disparaître le poteau. Bref, je suis en train de faire de la merde depuis tout à l'heure. J'ai dit que j'allais couper. Remarque, il est quelle heure? Il est 23h04. Oh, c'est pas très très tard. On peut peut-être continuer encore un tout petit peu, non? Voilà. C'est cet avant-poste que j'avais fait difficulté 3 étoiles, mon gars. Et bah c'était quelque chose. C'était ce que c'était. Ok, on va retourner à Prosperity du coup. Comme ça on sera. Y'a quelqu'un qui a klaxonné dehors, ta gueule. Quelqu'un qui a klaxonné dehors. J'ai screen le nounours. Moi aussi j'ai pris un screenshot moi. Je l'aime beaucoup ce binou là. Oui, binou ça veut dire nounours. Je sais pas si c'est déjà clair pour tout le monde. Mais binou c'est le mot qu'on utilise pour dire ours hein. Il y avait Pipou pour les chiens, il y a Binou pour les ours. Il reste encore pas mal d'animaux à faire, mais on en a déjà deux. Est-ce que je peux passer là? Putain, mais du coup, le double jump, c'est un Metroidvania, en fait, le truc. Bonjour. T'as de la chance que je puisse pas te mettre pain dans la gueule, toi. Un chou-tout pour le chat. Non, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde et c'est immature, Poléon. Eh, y a un truc, là. Ha, ha, eh, yes. Oh, putain. Ha, yes. Et bah voilà. D'accord, donc en fait, ouais, c'est littéralement un Metroidvania. Tu arrives à de nouveaux trucs quand tu chopes des power-up, quoi. Oh, c'est sympa. Oh, je vais aller là-bas. Ça, c'est une idée à la con, ça. Chat. Chou. Oh, mec. Oh, mec, mais c'est ouf. Mais tu peux vraiment faire de la distance de malade avec ça. Attends. Non, ça va être gueudin, ça va être gueudin. Ah, merde, je peux pas. Attends, il faut que je trouve un truc. Putain, elle est vraiment pas mal leur base maintenant, hein, mine de rien. Bon, elle est niveau 3, elle est niveau maximum, du coup ça sera jamais mieux que ça, mais... Hop. Putain, c'est génial, le double saut, c'est vraiment le truc auquel je m'attendais le moins, en fait, dans Far Cry. Je m'attendais à des trucs, genre des peut-être pas des pouvoirs, mais je m'attendais à des trucs un peu stylés, tu vois. Mais là c'est vraiment ouf, c'est vraiment dingue. Personne se demande pourquoi un Renoir cybernétique saute partout, mais tout le monde est au courant que c'est un type 5. Un type 6, maintenant, en plus. Un type 6. Un seul homme, face au monde. Est-ce que je peux... Non, il me faut encore 581 éthanol pour pouvoir améliorer le truc niveau 3. Du coup, on va lui parler à elle. Je suis contente que vous soyez de retour, mais je vois bien que vous êtes entré dans la grâce. Je vous avais dit pourtant. J'espère que Joseph vous a donné ce que vous... Comment ça? C'était pas évident. Le mec, il est en train de faire des doubles sauts et devenir invisible, tu sais. Oh, il est long, t'as touché la grâce, toi. C'est pas très très bien. Je suis porté en reconnaissance, mais il est jamais revenu. J'ai un mauvais pressentiment. Je vous en prie, essayez de le retrouver. Je m'occupe des gens ici. Attends. Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'étais en train de lire le chat. Est-ce qu'il s'est déjà fait kidnapper, Nick? Non. Non, c'est pas ça qu'il a dit, quand même. L'éthanol, c'est relou de ouf à trouver. Non, c'est pas relou. En fait, tu en récupères très très vite. En plus, regarde, j'ai oublié d'en récupérer. Quand j'ai pillé un truc... là, je crois. Non, là. Non, là. Voilà. Voilà, ici. En fait, ça se récupère très très facilement, l'éthanol. C'est, y a aucun problème. Si tu vides plein de camps, ça arrive très très vite. C'est vraiment pas dur. J'en avais plus de 1000 quand j'étais en train de farm pour récupérer les pièces d'équipement. Donc vraiment, ça pose aucun problème. Par contre, c'est quoi la mission qu'il vient de me donner, là?
Aucune mission. Bah merde. J'aurais peut-être dû suivre ce qu'il m'a demandé du coup. Quoi? Sinon, ça va bien vous? Hocher pour oui, secouer pour non. D'accord. Les ravageurs sont de retour sur l'île. Ok, vénère. Ah. Ah oui, non, ça veut dire que je suis passé au niveau 2. Ok, c'est cool. Bon, et bah écoute, je pense que je vais passer à Cabela maintenant. À moins qu'on se fasse. Tiens, tu sais quoi, on va se faire une toute petite chasse au trésor avant de passer à Cabela. Ça vous dit, on se fait une toute petite chasse au trésor. Ensuite, on switch de jeu et on va niquer des lapins. Ça vous dit? Est-ce que vous êtes chaud pour un petit Cabela? Oui, un petit Cabela Big Game Hunts que j'ai même pas encore. Merde, c'est vrai que j'ai oublié de faire tous les réglages et tout. Bon, c'est pas grave, je ferai ça pendant la petite interlude. On se fumera une petite clope ensemble et puis on ira. Lapin, tu m'appelles toi? Ah, Rush! Oh non, les mecs, elle a pris Rush! Qu'est-ce qu'on va faire si. Merde, elle a pris. Oh! Ah merde, elle nous a kidnappé Rush quoi. Oh là là, non. Ah ça, c'est, tu parles d'une grosse connerie. C'est qui Rush? Je me souviens pas. Oh du coup, maintenant que le double saut, c'est encore plus facile pour le wingsuit. Ce jeu était fait pour moi, il était fait pour le wingsuit. T'es où le juge? Rush, c'est le Québécois. Non, 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 c'est Roger le Québécois. Tatin, 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 talana. Mais oui, c'est con qu'il fasse pas de wingsuit avec nous. Roger en anglais, c'est Rush. Non, non, c'est pas lui, c'est pas Rush. Non, j'avais possibilité d'aller faire les expéditions, donc il est là encore. Vous inquiétez pas. C'est pas comme si on était pro de ouf. Ah franchement, pour l'instant, y'a pas trop de problème. Hein. Allez, une petite chasse au trésor, ça va nous faire du bien, là. C'est joli, quand même, le monde talin. Tony Merguez! Oh, c'est quoi ça là-bas? Ah oui, Rush, c'est Thomas Rush, c'est le mec avec la moustache et les tatouages là! Qui fait hipster de ouf! Oula! Il est génial ce lance-ci, mon gars! Il est vraiment super! J'adore! Donc en fait, c'est pas des bruits... J'étais en train de fermer ma gueule pour écouter le bruit, parce que le dernier stream, on était certain d'avoir entendu un bruit de prédateur avec l'oltruche, mais en fait, c'est juste des grincements d'arbres. Et du coup, je suis super déçu. Mais maintenant, en fait, c'est... C'est moi le prédateur, en fait, maintenant. Je sais pas comment ça rigole, un prédateur. Mec, s'il y avait une tenue de prédateur dans le jeu... Mama. Je sais pas faire le bruit du prédateur. Je sais juste le faire avec la gorge, c'est pas comme ça qu'on fait en plus, donc... Du coup, tu recharges un petit peu ton don d'Eden. Don d'Eden. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? On tape pas les portes quand on est police, à l'enculé, va. Mais j'ai pas de flèche explosive, j'ai que des flèches enflammées. Mais je pense qu'après on débloquera des flèches explosives. C'est génial. Putain, le juge est KO. Mais qu'est-ce qu'il a foutu, ce con? Oui, il dit kill mama. Donc oui, en fait, il dit tuer maman, quoi. Pas tuer maman, mais tuer pour maman, en gros. C'est ce qu'il veut dire, mais... Kill mama. Tu es pour maman, certainement, d'ailleurs. Attends, tout est en feu... Pourquoi j'ai fait la wingsuit? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis en train de brûler. Oui. Ok, c'est bon. Donc, c'est bien ce qu'il dit. Il dit... Ah, putain, merde, j'ai foutu le feu à l'église. Oh là là, ça va chier, ça va gueuler, là. Varg Vikernes, il va kiffer, mais moi, ça va pas le faire, là. Ah, putain, j'ai mal au poignet. C'est pas grave. Through the pain, through the fire and the flames. Il est où, le Karkogug? Ok. Je me contrefous de savoir comment ce carcajou a affolé la clé. Et je me contrefous de savoir combien d'entre vous ont été mutilés en le pourchassant. S'il s'est fait un nid dans l'église, alors rentrez, brûlez le nid et récupérez la clé sur les cendres. J'ai besoin que cette cache soit ouverte et plus vite que ça. Ok. Donc il faut que je retrouve le carcajouk. Est-ce qu'on peut attendre juste vite fait que ça se calme? C'est pas grave.
Oui, j'ai même pas buté le Karajou, j'ai buté le... Ah, ya, ça brûle. J'ai buté le mec en dessous. Putain, je vois que dalle. C'est compté comme un crime de guerre, du coup, de foutre le feu à une église. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a pris d'ailleurs, Vikings, pour avoir foutu le feu à... Non, c'est pas... Non, c'est Gal. Putain, à chaque fois, je confonds, c'est Gal ou... Non, c'est Gal qui a foutu le feu à les églises, c'est pas Vikings. Vikings, il a buté des mecs. C'est Gal qui a foutu le feu dans les églises, dans des églises de Bergen, non? Enfin, autour de Bergen. Ah, les deux, d'accord. Ok, d'accord. Je les confonds, je suis désolé. Il a fait les deux, d'accord. Ok, d'accord. Ah bah, ça me rassure. Nani? Qui est c'était Bruto. Il y a quelque chose là? S'il y a quelque chose, faudrait sortir maintenant. Ok. Cocktail Molotov. Et hop, et voilà. Je l'ai déboîté le truc, il a rien compris. Par contre, tout est vraiment en train de cramer depuis tout à l'heure. Est-ce que... Oh la vache. Allô? Comment je peux... Oh. Je suis en train de foutre la merde. Je pense que c'est pas forcément une très très bonne idée. Oh là là. Heureusement que je suis magique parce que... Ah non, ça a fait exprès en fait, ça a pété, c'est marrant. Et il a pas littéralement dit aux gens, faites pareil. On retient plus les dizaines de coups de couteau sur son pote, bizarrement. Oui, c'est vrai, ouais. Gal, on retient quand même plus le fait qu'il a séquestré un mec qu'il faisait chier chez lui et qu'il a fait boire son sang ou je sais pas quoi. J'adore ce mec. Et c'est quoi du tout, du coup, qui vous inspire dans vos chansons? The devil. Satan. Non, c'est ça qu'il dit, il dit. Satan. Ouh. Bonsoir. Inri. Je crois qu'il c'était Jésus. Ok. Satan. Il est con ce gars. Avec son verre de vin. Non, il est génial ce mec. Let's go. Alors Varg, il a fait 21 ans de tôle pour le meurtre, mais aussi pour l'incendie d'église. D'accord, il a pris les deux d'un coup. Franchement, 21 piges pour cramer une église à un meurtre, c'est pas cher payé. Oh. Oh. Et aurais-je trouvé quelque part? Je vais beaucoup trop loin. C'est pas... Est-ce que je vole? C'est pas une wingsuit, je crois que je suis en fait littéralement en train de voler. Tranquille, je vole. I'm flying high. On peut se crasher quand même. On va pas trop tester. Breivik, il a 21 ans. Oui, c'est parce que en Norvège ils veulent pas prendre. Eh oui, enfin, je sais plus, en Suède ou en Norvège ils peuvent pas prendre plus. Ils ont pas de perpétuité là-bas. Oula, oui, non, c'est un spécial en fait, c'est un méga vénère. C'est bon, je peux le ken. Le judge, il est arrivé, il s'est fait péter directement. Ça va? Non, c'est pas le judge. Je suis con. Donc toi, t'as fui et t'es allé buter un mec. Merde, putain, c'est moi qui l'ai buté. Avec le double saut, ça rend vraiment le truc super facile, hein. Bon bah je suis désolé mesdames et messieurs, mais vous êtes morts pour rien hein. Parce que je l'avais en plus hein. Non, c'est pas le judge, c'est juste un mec qui est à moitié enterré. Bip. C'est qui vient? Je pars ta moto? Je pars ta moto? Au. J'ai hâte de One Punch. J'ai hâte de pouvoir One Punch quand même. Bon, et bah écoute, j'espère que ça vous a plu cette petite suite de New Dawn. Je sais pas si on est très très loin de la fin ou quoi. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de missions principales, mais vu qu'on a déjà amélioré pas mal de choses, je pense qu'on doit être pas trop trop loin non plus de la fin. Je sais pas, ceux qui l'ont fini peuvent me dire peut-être. Ceux qui ont fini peuvent me dire peut-être. Merde, mon petit truc pour me soutenir. Voilà. Ok. Bref, du coup, je vais quitter là et je vous retrouve dans quelques minutes pour un petit coup de... regarde ta map et affiche les infos. Regarde ta map. Parcourir, progression. Oh. Oh. Mission principale, 17 sur 22. Ah oui, 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 je suis pas loin de la fin du tout, en fait. Du coup, est-ce que... Oh, putain, 8 sur 30, les avant-postes. Oh la vache.
Oh, oh là là, d'accord, 8-30. Oui, non, parce que tu peux en faire plusieurs fois. Oui, d'accord, non, c'est bon, c'est moi qui suis con. En fait, il y en a que 10, mais tu peux tous les faire 3 fois. Donc oui, ça compte pour 30, en fait. D'accord, ok. Eh bah écoute, je pense que le prochain stream, ça sera peut-être ce week-end ou la semaine prochaine, mais de New Dawn, hein, je veux dire. Mais du coup, je pense que je farmerai un petit peu en attendant. J'irai chercher des points de compétences. Ah bah regarde, je peux même en foutre un, je crois, point de compétences, non? Alors pas des points de compétences magiques, mais je peux foutre des points de compétences de ça. Et ça, c'est pas mal. Enfin, on verra ça plus tard. Mais du coup, on n'est pas trop loin de la fin au niveau des missions. Donc, on verra. J'essaierai de farmer hors stream. Parce que voilà, j'ai pas envie de vous soumettre non plus à des heures et des heures de chercher des trucs, etc. Avec moi qui me marre et on conteste des trucs super marrants et tout. Ce serait con. Ça ferait pas des streams intelligents. Donc, du coup, je ferai ça hors stream. Mais vous inquiétez pas. On revient de toute façon très vite avec du New Dawn. Et avec notre cyber commando de type 6 désormais, Black Hogan. Donc, je vous retrouve dans quelques minutes juste pour du câble live. Il faut que je mette en route quelques trucs parce que forcément, j'ai oublié de faire le setup. Mais je vous laisse avec un peu de musique et je vous fais d'énormes bisous. Dans le cul d'ailleurs. Attends, je vous refous ce que j'ai trouvé tout à l'heure, la Authentic Cyberpunk. C'est une de mes chansons préférées du moment. Allez, à tout de suite les gars.